expert, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Préparez-vous à plonger dans un univers sonore riche et captivant où chaque note et chaque rythme racontent une histoire unique. Restez avec nous pour une expérience musicale inoubliable. Nous commençons notre webinaire régulier du mardi où nous vous présentons un nouveau projet d'investissement du groupe Solar, des dirigeables de nouvelle génération, Aujourd'hui, nous allons vous parler de la façon dont nous faisons renaître les dirigeables en Russie et dans le monde entier en détail sur l'entreprise que nous prévoyons de construire dans ce secteur et bien sûr comment vous pouvez y participer et gagner de manière significative et durable avec une telle entreprise. Comme vous le comprenez, les dirigeables représentent un domaine très vaste et prometteur. Aujourd'hui, nous en parlerons également et. Bien sûr, pour faire avancer un tel projet, de grandes ressources sont nécessaires, y compris financières. C'est pourquoi ce projet est financé par le biais d'investissements collectifs, vous permettant ainsi de faire partie de cette initiative et de devenir copropriétaire de l'entreprise en cours de création. Commençons par le début. Je m'appelle Pavel Filipov. Avec moi aujourd'hui dans le studio, il y a Fedor Konstantinov. Et par quoi allons-nous commencer nous allons commencer par quelques résultats modestes avant de passer à ce que nous faisons avec vous. Quels résultats ont déjà été atteints en termes de chiffres Je voudrais dire que nous avons déjà franchi avec assurance le cap des 1500 investisseurs, des particuliers qui ont rejoint notre projet en provenance de divers pays et ont soutenu notre projet avec de l'argent réel. Et maintenant, nous avons atteint un jalon psychologique important. De 500 000 dollars d'investissement qui ont été réalisés dans notre projet et pratiquement 5 millions de dollars d'engagement pris par les personnes. Ce sont les engagements qu'ils vont verser en tant qu'investissement au cours d'environ 1, 2 ou environ 3 ans. Nous avons également cette possibilité. Ainsi, le projet prend de l'ampleur de manière significative et avec succès. Notre projet a un peu plus d'un mois. Nous sommes au tout début, mais. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà certains résultats, absolument certains. Eh bien, avant de passer directement à la euh, présentation, nous allons expliquer ce que nous faisons et pourquoi nous nous orientons précisément vers les dirigeables. Nous aimerions vous demander de liker cette diffusion, de la partager et surtout d'inviter les personnes qui, selon vous, pourraient être intéressées parce que, comme vous l'avez déjà compris, notre projet est lié au financement participatif, donc plus de gens nous connaissent et s'intéressent à nous, plus notre projet se développe et avance rapidement. À la fin, nous répondrons certainement à vos questions. Vous pouvez dès maintenant écrire sur Vcontact ou sur YouTube selon où vous nous regardez. Nous examinons toutes les questions et réagissons à toute votre activité. Comme vous le savez peut-être, le groupe Solar, c'est nous. Des personnes qui s'occupent, en effet, depuis plusieurs années de la promotion et de la gestion de divers projets, innovations et start-up. Nous avons longtemps hésité sur le projet que nous étions prêts à entreprendre, car nous voulons que ce projet soit vraiment prometteur, qu'il soit soutenu par une équipe fiable et surtout qu'il permette aux investisseurs privés de réaliser des bénéfices ceci n'étant souvent pas prêt à investir de grosses sommes. Par conséquent, il doit également être à grande échelle et il semblerait qu'il y ait eu de nombreuses idées à choisir, mais nous nous sommes arrêtés précisément sur le thème de la renaissance des dirigeables et ici je souhaite adresser ma question à Fedor Konstantinov, qui était justement responsable de la sélection des projets et de la communication avec différents développeurs, en particulier... Fedor, peux-tu nous dire pourquoi nous avons choisi ce thème et en général, qu'est-ce que les dirigeables et quelle est leur perspective selon toi Bonjour à tous. Oui, Pacha, je vais commencer par expliquer pourquoi nous avons choisi cela. Au départ, initialement, le groupe Solar, comme toute entreprise de crowdfunding, a pour mission de choisir un projet est à ses débuts et potentiellement capable, prêt à connaître une très forte croissance explosive. C'est essentiel car le crowdfunding est un investissement collectif et pour qu'un investisseur ressente un profit, la croissance doit être multiple. En plus d'être écologique et technologique, le projet ne doit certainement pas être un moteur perpétuel, mais quelque chose de réel et il doit avoir un potentiel de croissance explosive. Transformateur de secteur, Sergei Semenov a décrit des projets et de tels projets étaient recherchés et donc les dirigeables sont très pertinents. En particulier pour cet indicateur, je vais maintenant expliquer pourquoi dans le monde il se produit divers sauts de développement technologique et ce développement technologique entraîne ensuite des changements dans l'économie, des rails ont été développés, des trains sont apparus, l'économie s'est restructurée, elle a compris que les rails s'étaient un bien, les rails se sont multipliés et elle s'est saturée, puis on a inventé les avions, les hélicoptères, et maintenant l'économie est à nouveau saturée au point qu'il faut la prochaine solution logistique. La logistique, c'est les veines de l'économie, tout le monde connaît la route de la soie tout le long de celle-ci. Tout était cher et riche, tandis que là où elle n'était pas, la vie ne se développait pas aussi brillamment. Et c'est précisément les dirigeables qui représentent cette technologie grâce à laquelle il est possible de réaliser le prochain saut, en l'occurrence économique. Et de nombreux pays le savent, les agences d'analyse sont au courant, tout a déjà été calculé, des rapports ont été remis à tous, et il a été dit que les dirigeables avec leur production en série et de masse et leurs indicateurs technico-économiques sont capables de réaliser un miracle économique et le miracle de notre côté était que n'importe qui pouvait certainement dire au sujet du dirigeable je vais construire des dirigeables c'est ainsi que Sergei Bri par exemple l'a fait et ce qui est bon merveilleux c'est que l'équipe d'ingénieurs, les concepteurs, les ingénieurs, les techniciens et même les pilotes qui ont déjà construit des dirigeables en Russie moderne est restée intacte. Ils fabriquaient de petits appareils, des modèles pour une personne, des modèles pour deux personnes, pour cinq personnes, pour douze personnes, avec différents équipements. Et ce collectif actuellement ne fabrique pas de dirigeables. Tout le monde est occupé par ses propres affaires, à son travail. Mais chacun a consacré sa vie à l'aérostation, et quand nous les avons rencontrés, nous avons compris qu'ils avaient besoin de financement, et nous, en tant que groupe Solar, avions besoin d'un projet vraiment génial. C'est ainsi que les étoiles se sont alignées, et c'est pourquoi les dirigeables sont devenus possibles, précisément parce qu'il existe des concepteurs, des développements, des technologies, euh, tout est disponible. Il y a des instituts sectoriels capables de fabriquer certaines euh, nomenclatures d'éléments, d'agrégats, euh, tout ce qui est ensuite assemblé, enfin pas vraiment assemblé à nouveau, mais assemblé dans un dirigeable. Et toi, Pacha, tu as encore demandé ce qu'est vraiment un dirigeable Un dirigeable, c'est. Quelles sont peut-être les particularités Comment cela fonctionne-t-il Oui, comment cela fonctionne-t-il En fait, c'est vraiment très simple. Cela fonctionne comme un ballon à l'hélium. Par exemple, on peut gonfler un grand ballon avec de l'hélium qui soulèvera un téléphone mobile. Par exemple, eh bien c'est clair, il s'envolera haut et loin, mais en gros, nous l'avons gonflé et il l'a soulevé. Comment peut-on encore le soulever avec un drone Et voici ce qui peut rester plus longtemps dans les airs, un ballon ou un drone. Le drone est plus technologique, mais sa charge va s'épuiser car il doit constamment générer de la portance avec ses hélices. Le ballon rempli d'hélium est gonflé une fois et c'est tout et la portance est éternelle. Bien sûr, il y a des fuites, etc., et il doit être stabilisé dans les airs, ce qui nécessite de l'énergie. Cependant, les technologies modernes permettent d'alimenter les moteurs électriques avec des panneaux solaires. Un dirigeable peut flotter dans les airs, contrôlant sa position dans l'espace de manière presque gratuite, grâce aux moteurs électriques, si l'on parle très simplement, la portance du dirigeable ne disparaît pas, elle est contenue dans le volume du ballon supérieur, rempli d'hélium, et c'est ce qui le distingue de tout ce qui vole actuellement dans les airs. Un avion ne peut pas rester suspendu au-dessus de la ville pendant quelques jours, un hélicoptère non plus, il consomme du carburant pour cela, un dirigeable peut rester suspendu au-dessus de la ville. Il y a de nombreux avantages par rapport aux hélicoptères et aux avions modernes, où les dirigeables présentent également des inconvénients par rapport aux avions, notamment en ce qui concerne la vitesse, et par rapport aux hélicoptères, en ce qui concerne la taille. Mais il y a beaucoup d'avantages, tout le monde les connaît, et c'est pourquoi tout le monde dans le monde a réellement commencé à construire, y compris nous... Peux-tu expliquer plus en détail, s'il te plaît, quel type de dirigeable existe leur capacité de levage et exactement quelles tâches ils peuvent accomplir. sont-ils Oui, je peux. Les plus petits dirigeables qu'ils construisent sont naturellement des modèles publicitaires, qui volent à l'intérieur des bâtiments, à l'intérieur des stades, dans des hangars, lors d'expositions. Ce sont de petits appareils, d'un mètre, deux mètres, trois mètres de long. Ce sont des jouets. Mais c'est tout de même un dirigeable, car sa force d'Archimède le soulève du sol. Il a avec lui une petite installation énergétique sous la forme d'une batterie au lithium, moteur électrique, contrôleur. Un dirigeable est un aéronef dirigé. En français, cela signifie chef d'orchestre, dirigeable. C'est le plus petit, c'est un jouet compréhensible. Cela ne nous intéresse pas. Il existe divers projets étudiants, notamment des dirigeables de 8 mètres et 10 mètres, capables de soulever une charge utile de 10 kg et de voler en version sans pilote un tel projet. A déjà été réalisé en Afrique. Là-bas, les Français aident les Africains, ont fabriqué quelques-uns de ces appareils et livrent des médicaments entre les villes parce que 10 kg là-bas à une vitesse de 80 km par heure dans des conditions d'absence de route en général avec un vent calme. Mais il s'acquitte de sa tâche et c'est déjà un projet commercial qui est réalisé et qui fonctionne. La prochaine dimension des dirigeables concerne déjà des centaines de kilogrammes. Il est commercialement intéressant de réaliser des dirigeables de 500 kg en version sans pilote pour des distances de 500 à 1000 km. C'est la prochaine étape après ces petits modèles de 10 à 20 kg. C'est déjà un appareil sérieux avec son propre secteur d'application commerciale, mais pour l'instant c'est encore un jouet. Car plus le dirigeable est grand, plus son volume est important, meilleures sont les performances économiques, et plus il peut transporter de carburant, des moteurs plus puissants augmentent en sa portance au cube, tandis que la résistance de l'air augmente au carré. Par conséquent, il devient plus stable et plus facile à contrôler. La prochaine étape, après un drone de 500 kg, est déjà une capacité de charge de 10 tonnes. Ce n'est plus un jouet, c'est un appareil sérieux. Dans ces 10 tonnes, on peut installer une gondole touristique permettant de transporter des personnes tout en admirant le paysage, il y a aussi des gondoles passagères qui diffèrent des touristiques. La gondole passagère a simplement pour but de se déplacer d'un point A à un point B, tandis que la gondole touristique permet de voyager avec confort, avec des cabines et un restaurant, et tout cela peut déjà être réalisé avec un dirigeable de 10 tonnes. Si l'on retire cette gondole, et qu'on rend cet appareil sans pilote, alors c'est déjà un drone qui transporte approximativement 15 à 20 tonnes sur des distances assez longues. Et c'est aussi une très bonne machine de travail. Actuellement, l'appareil le plus massivement produit qui transporte quoi que ce soit dans les airs est l'hélicoptère soviéto Mi-8. Et ses modifications, qui est également... Il peut transporter 4 tonnes sur plusieurs centaines de kilomètres et les affaires se sont adaptées à ça. Comme je l'ai dit au début, lorsque qu'un nouvel outil apparaît, l'économie commence à l'utiliser. Le Mi 8 a été si réussi qu'environ 15 000 unités ont été produites. Tout au long de sa production, l'économie s'est adaptée à lui, le marché s'est adapté à lui, ainsi que la logistique et les producteurs. Et quand il faut livrer quelque chose d'un point A à un point B, donc le marché est formé autour de cela, et voici cet appareil de 10 tonnes qui est déjà sérieux. Il peut accomplir la même tâche que le Mi-8, mais en transportant deux fois plus, tirer deux fois plus loin, sans vibration, dans le calme, avec des vitesses légèrement inférieures, mais ce n'est pas si terrible pour l'économie, car l'effet économique est tout de même deux fois moins cher. En réalité, il est même plus avantageux en termes de carburant. Les tonnes-kilomètres coûtent beaucoup moins cher que pour un hélicoptère. Mais encore une fois, 10 tonnes, c'est encore un petit appareil. 50 tonnes, c'est déjà plus intéressant car cela inclut des tâches agricoles. On peut transporter des moissonneuses de champ en champ, des tracteurs, car transporter un produit encombrant d'un champ à un autre est une tâche assez intéressante avec laquelle on s'en sort déjà, c'est évident. Mais si vous avez... Un appareil de 50 tonnes qui transporte dans les airs quelque chose comme ça, c'est rapide tout d'abord de point A à point B, sans route, sans transbordement, etc. Deuxièmement, il peut non seulement apporter cette moissonneuse batteuse, mais il peut aussi amener avec lui ses solutions spéciales pour les champs. Des systèmes de surveillance peuvent être installés en parallèle et l'IA est activement intégrée pour comprendre ce qui se passe sur ton terrain. En gros, tu observes qu'il y a un manque d'eau ici, un excès d'eau là, et qu'il manque des nutriments ici. L'intelligence artificielle évalue la situation. Ainsi, dans l'agriculture, on économise l'engrais, on commence à le pulvériser avec des drones au-dessus de certains endroits. Et voilà que le dirigeable de 50 tonnes commence à avoir des tâches plus ambitieuses que les voyages et le transport de marchandises. Ils deviennent déjà de plus en plus spécialisés. Par exemple, il y a l'agriculture et de nombreux autres domaines, mais encore une fois, c'est un petit appareil. À partir de 100 tonnes, les dirigeables commencent à avoir un avantage concurrentiel significatif, notamment dans les tâches logistiques, car 100 tonnes, c'est déjà considérable. De plus, leur efficacité augmente avec la taille, rendant l'économie plus attrayante, mais 100 tonnes, c'est aussi peu. Et on peut faire 200 tonnes, 400 et même 500. Les mêmes dirigeables, il y a 100 ans, étaient déjà conditionnellement des statoniques. C'était il y a 100 ans, et maintenant, avec des matériaux modernes et des technologies contemporaines, on peut faire encore plus. Et il existe une dimension pour le dirigeable qui est tout à fait raisonnable et ingénieuse. Techniquement, cela est devenu possible maintenant lorsque le coût du transport d'une tonne par dirigeable sur un kilomètre sera le plus avantageux de toutes les solutions logistiques actuelles proposées. Actuellement, le transport maritime est le plus rentable, mais il a le coût de transport le plus bas pour 1 tonne sur 1 km. La taille du dirigeable est supérieure à 200 tonnes, sa capacité de charge offre déjà des indicateurs économiques similaires, mais il convient de noter que les dirigeables ne sont pas des concurrents du système logistique actuel, ils ne rivalisent pas avec les camions, les navires ou les avions. Tout est déjà bien établi, tout fonctionne. Non, le système sera complété car il existe des tâches qui ne peuvent pas être résolues avec les outils actuels, mais avec ceci, cela sera possible et l'économie sera en quelque sorte élargie. Ce sont aussi des dirigeables stratosphériques. Encore une fois, à quoi ressemblent-ils À quelle hauteur volent-ils en fait, les dirigeables sont les plus rentables à utiliser. Près de la Terre, il y a une forte pression ici, et c'est pourquoi l'hélium a une bonne portance dans ce volume. Si un dirigeable peut porter 10 tonnes au niveau de la mer, la même quantité d'hélium dans la stratosphère, espérons-le, ne pourra supporter qu'une tonne, car l'atmosphère y est déjà raréfiée, et sa force de portance est moindre. La taille n'est pas importante pour la stratosphère. Ce qui compte, c'est qu'une charge utile puisse se trouver à un point donné, se déplacer de manière contrôlée et redescendre. C'est comme un groupe en orbite basse pour établir des communications, surveiller la Terre, espionner la nature, espionner les voisins, pour Internet, pour utiliser son partage, ces appareils stratosphériques. Eh bien, ces plateformes stratosphériques peuvent remplacer pour un pays qui vient juste de commencer son développement technologique actif. Ils commandent nécessairement des satellites pour les envoyer dans l'espace avec des fusées, mais il suffit de suspendre quelques dirigeables stratosphériques au-dessus de leur territoire et de les gérer tranquillement. En cas de remplacement, de réparation ou d'entretien, tu peux les redescendre, changer la charge utile. Ce qui est utile pour les ramener dans la stratosphère, ce qui n'est pas possible avec un satellite, et c'est beaucoup moins cher, c'est-à-dire que les dirigeables, allant des jouets dans les salles de concert aux plateformes stratosphériques de haute technologie, couvrent en général tout le ciel et accomplissent toutes les tâches. Regarde Fédor, tu dis que les dirigeables peuvent en effet transporter des passagers et des marchandises. Et tu as raison de dire que, en principe, le marché des avions, des hélicoptères et des camions est déjà bien établi depuis longtemps. Quel est l'avantage des dirigeables Pourquoi penses-tu qu'ils devraient s'intégrer d'une manière ou d'une autre alors qu'il existe déjà d'autres aéronefs ainsi que des camions, par exemple, pour le transport de marchandises Parce que tout se met en place ainsi, de cette manière, effectivement probablement si l'on devait catégoriser quel est leur avantage pourquoi dans certaines tâches les dirigeables sont-ils vraiment plus optimaux par exemple une solution très répandue qui est ancrée dans l'esprit de beaucoup le fait que le dirigeable puisse transporter efficacement des produits hors gabarit les mêmes éoliennes les lignes ces poteaux supports de lignes électriques Prendre directement depuis l'usine de fabrication, les transporter jusqu'au point nécessaire, les installer exactement à l'endroit où elles doivent en se trouver. Une telle tâche, personne ne peut vraiment l'accomplir. Rien à part le dirigeable n'est capable de le faire. D'un côté, de l'autre côté, je vais encore parler des grandes dimensions. Il y a beaucoup de tâches. Par exemple, chez Rosatom, ils fabriquent. Leurs grands réacteurs et il faut d'une manière ou d'une autre les livrer de manière générale. Nous avons déjà commencé la construction de centrales nucléaires dans de nombreux pays avec Rosatom. Quelque part dans le cœur de notre pays, à Tcheliabinsk, ces réacteurs sont fabriqués. Et comment les transporter du point A au point B C'est toute une opération spéciale. Tout d'abord, ils commencent immédiatement à être fabriqués. En tenant compte des outils disponibles, D'abord c'est un train, puis un transport maritime, puis encore un train. Par exemple, les trains ont des dimensions maximales autorisées, donc nous allons prévoir une certaine taille, mais pour le dirigeable, ce n'est pas nécessaire. Il le crée par section et le transporte là-bas section par section. Tous ces transbordements se font d'abord du train vers le transport maritime, puis du maritime vers le train. Ensuite, mais ils devront assembler toute cette construction là-bas, souder, c'est-à-dire envoyer des équipes sur place. Avec le dirigeable, il était possible de le prendre directement à l'usine, complet, ce réacteur de manière conditionnelle, et de le placer déjà à l'endroit préparé, quelque part en Afrique, juste là où il sera installé et continuera à fonctionner. Livré du point A au point B. Eh bien, pour l'instant, rien ne peut être fait. Un avion a besoin d'un aéroport. C'est-à-dire qu'il faut d'abord transporter quelque chose de l'usine par camion, en gros, le charger sur l'avion, puis depuis l'aéroport, voler vers un autre aéroport et encore une fois décharger de l'avion, dans un camion en gros, et c'est parti. Le dirigeable prend en charge le produit depuis l'usine et l'achemine directement au consommateur. Cette tâche, nul ne peut la résoudre. Il transporte des biens d'un point A à B. Cela sera beaucoup plus rapide. Vous pouvez googler la vitesse moyenne des trains de marchandises dans notre pays ainsi que dans les pays européens. Chez nous, ils se déplacent plus vite en comparant la vitesse moyenne d'un camion à celle du transport maritime. Et lorsque vous réalisez que la vitesse moyenne de ce train est de seulement 8 km par heure, on constate qu'un camion peut atteindre 10, 20, enfin 20, c'est même beaucoup, disons plutôt 12. Il est clair qu'un dirigeable, en transportant des marchandises d'un point A à un point B, même à une vitesse de 100 km/h, accomplit cette tâche de manière beaucoup plus rapide. Dans certains cas, cela... Avec le même avion, amène-le à l'avion, charge-le. Oui, il volera rapidement d'un aérodrome à l'autre, mais tu vas encore surcharger, puis mettre sur le camion, puis la vitesse moyenne sera inférieure à celle du dirigeable. C'est-à-dire, il peut accomplir des tâches logistiques plus rapidement. Il est évident que lorsqu'il s'agit de vols intercontinentaux, l'avion reste la meilleure option. Même pour acheminer quelque chose vers l'avion, il sera finalement plus simple de le faire par dirigeable. Qu'est-ce qui les rend encore meilleurs Eh bien, ils sont plus sûrs, beaucoup plus sûrs que les avions et les hélicoptères. Rien ne peut arriver à un dirigeable. Si un avion a une défaillance dans un système, il peut au moins planer, si sa vitesse est suffisante. Si un hélicoptère a une défaillance, il tombe immédiatement comme une pierre. Un dirigeable, même si tout échoue, continuera à rester dans les airs et descendra très lentement sans aucun accident. Ni avec la cargaison, quoi qu'il arrive, ni avec les passagers, cela ressemble davantage à ce qu'il se passerait sur un navire en train de couler. Eh bien j'espère que ce ne sera pas le cas, mais pour faire une analogie, si quelque chose arrive à un avion, c'est tout simplement une chute. Au revoir. Si quelque chose arrive au dirigeable, c'est comme avec un bateau où les moteurs ont échoué, les systèmes embarqués ne fonctionnent pas et même la coque est percée. Il peut arriver quelque chose au dirigeable, beaucoup de sections. Mes moteurs ont échoué, c'est clair. Le système de bord ne fonctionne pas et même l'enveloppe a été percée en quelque sorte. Elle est aussi multisectionnelle que sur les yachts. Un des compartiments du yacht a été perforé, il a été isolé, et le yacht n'est pas en train de couler. La deuxième ne coule pas non plus, la troisième ne coule pas non plus, la quatrième, quelque chose a commencé, mais il est très probable qu'elle tiendra aussi... Et c'est seulement là, en cas de dommage critique, qu'il commencera à couler de manière significative. C'est la même chose avec le dirigeable, il ne va pas couler, on le frappe. Et s'il a déjà été frappé critiquement, il commencera simplement à descendre lentement. Mais cela sera également sûr. En termes de sécurité, les dirigeables sont reconnus comme le moyen de transport aérien le plus sûr. Du moins, chez nous, en Russie, le Conseil scientifique et technique a récemment pris une telle décision, après quoi le gouvernement de notre pays, le ministère de la Défense et tous ont donné des instructions. Le gouvernement a donné pour mission pour ce trimestre en cours de l'année 2024, euh, de fournir une proposition pour le développement de l'industrie des dirigeables, avec des capacités de charge allant de 20 à 200 tonnes. Il y a certaines tâches pour lesquelles il n'y a aujourd'hui aucune solution, et tout le monde l'a bien compris depuis bien longtemps. Et voici une autre vidéo intéressante où nous avons également publié sur les réseaux sociaux que même en comparant certaines tâches classiques, le dirigeable est souvent plus économiquement viable, également le transport de certaines marchandises. J'ai beaucoup aimé cette thèse selon laquelle tous les aéronefs luttent contre la gravité, essayant de contrecarrer les lois de la physique. En revanche, le dirigeable vole grâce à la loi de la physique ce qui le rend beaucoup plus efficace à cet égard. Une des applications, ce qui le rend meilleur, est le dirigeable, par exemple. Il peut être un grand laboratoire volant pour la recherche scientifique, un grand centre médical ou n'importe quoi d'autre, même une chaufferie avec du combustible et de l'équipement. Il est alors nécessaire de résoudre un problème local dans une zone difficile d'accès, par exemple, fournir des services médicaux à la population, et un grand dirigeable arrive tranquillement. En fait, une clinique volante vient à vous. Cela n'existe pas. Et on peut faire ça. Maintenant, les trains commencent à faire des choses comme ça, des bus médicaux et un dirigeable. Ça pourrait vraiment être une clinique volante. On peut probablement le faire avec un grand avion, ceux qui étaient encore construits à l'époque soviétique. Mais le problème est que nous ne les produisons plus actuellement et produire un tel avion coûterait probablement des centaines de fois plus cher qu'un dirigeable. J'ai aimé l'idée d'ailleurs de Vadim Zubkevich qui a pris la parole lors du dernier webinaire L'état civil dans un dirigeable pour que l'union d'un homme et d'une femme soit scellée dans les cieux. C'est aussi une idée intéressante sur la façon dont cela peut peut-être être utilisé. Cela peut sembler fantastique pour certains en ce qui concerne l'état civil et d'autres choses. Oui, en effet, ce ne sont pas des tâches prioritaires, s'il y a des tâches plus pratiques, disons par exemple des opérations de sauvetage dans des endroits difficiles d'accès. Je comprends que, comme je le vois, de nombreux projets de dirigeables dans le monde sont justement orientés vers cela, en particulier ce que tu as dit. Brin, cofondateur de Google, qui crée actuellement sa propre entreprise aux États-Unis. Il déclare au moins que c'est pour diverses opérations de sauvetage. Quelles sont les autres entreprises qui développent actuellement ce domaine Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises. On a l'impression qu'une véritable course aux dirigeables a commencé. Il semble que le moment soit venu les technologies le permettent, et tout le monde, plus ou moins en même temps, commence à essayer de construire ses propres dirigeables et certains ont même déjà connu des succès notables. Les Chinois ont des succès. Ils... J'ai fait, je ne me souviens pas combien, c'était soit en kilomètres, soit en heures, des milliers, enfin probablement des kilomètres. Ils ont déjà leur premier dirigeable certifié qui a passé tous les tests et a, pour ainsi dire, terminé sa première période d'exploitation. Après cela, ils ont commandé la production en série de dix autres appareils similaires. C'est pratiquement une copie de notre AU-30 russe et ils prévoient de l'utiliser à des fins touristiques, tout comme à Friedrichshafen en Allemagne. Le nouveau Zeppelin vol, il y en a deux qui circulent là-bas. Ils sont actuellement en train de rassembler un troisième, mais cela fait longtemps qu'ils le font et ils ne l'achèveront pas de sitôt. Mais voici un exemple de deux entreprises vivantes qui s'occupent du tourisme. L'une d'elles s'occupe du tourisme en Allemagne depuis longtemps. En Chine, un appareil est opérationnel, certifié et la production en série de dix autres appareils a commencé. Il ne dirait, pas, ils ne diraient pas qu'ils sont modernes, mais ils le sont parce qu'ils sont de notre époque. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de technologie révolutionnaire. C'est une copie de ce que nous faisions dans notre pays il y a longtemps, et c'est la même chose en Allemagne. Sergei Brin voulait faire quelque chose de plus nouveau, mais encore une fois, il a répété tout ce qui est ancien. Il n'y a rien de nouveau chez lui, mais il a un dirigeable qui vole déjà. Les Anglais et les Irlandais, vous pouvez le voir, ont déjà essayé d'introduire certaines innovations. Ils voulaient principalement changer l'apparence même du dirigeable, c'est-à-dire le rendre non classique en forme de cigare. Ils ont combiné plusieurs cigares, deux avec un petit au milieu. Je ne sais pas ce qui les a guidés, mais leurs premiers essais avec la gazodynamique, ils ne semblent pas s'y connaître. Et en général, avec la dynamique de contrôle de l'appareil, il y a des vidéos sur Internet montrant cet Airlander voler. Il s'enfonçait parfois le nez au sol, mais il ne lui arrivait rien. Il rebondissait comme un ballon. Hop, délicatement, il ne s'est pas écrasé et n'était pas endommagé. Mais il est justement assez difficile de piloter un appareil de forme non classique, tout d'abord parce qu'il y avait certainement au moins de l'expérience dans la gestion des appareils de forme classique, des théories, des calculs, ce n'est pas une forme classique, c'est une histoire expérimentale, expérimentale voire inexpérimentée. Eh bien, il semble qu'ils aient réussi à le stabiliser plus ou moins, et maintenant, des informations circulent sur Internet selon lesquelles ils vont immédiatement en produire une dizaine pour des objectifs de croisière. Mais c'est une croisière VIP où un billet coûte 200 000 dollars et il y aura un petit nombre de passagers en classe luxe qui voleront vers le pôle Nord et reviendront. Cela concerne de grands appareils français. Ils ont déclaré qu'ils assembleraient déjà. En 1925-1926, un appareil, également touristique, pour un petit nombre de places, mais qui fonctionnerait déjà entièrement à l'énergie solaire, la moitié de la partie supérieure de son corps sera recouverte de panneaux solaires. Il est écologique et touristique, on y perçoit déjà une intelligence, avec quelque chose de moderne, des panneaux solaires, des moteurs électriques, un système de stockage d'énergie. La question, comment ils vont le résoudre Il est peu probable qu'ils transportent du lithium avec eux, avec des électrolyseurs à hydrogène. Nous verrons. On ne voyait encore rien en métal. Ils cachent probablement cela des regards indiscrets. Comme on dit qu'ils vont le lancer dans les airs dans les prochaines années, ils ont sûrement déjà commencé quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui fabriquent de petits appareils. Il existe aussi des modèles plus petits d'environ 10 à 40 kg. Cela a été lancé en Afrique et également dans un pays européen. Dans un pays européen, je ne me souviens plus lequel, peut-être en France, ils ont fabriqué un petit appareil toroïdal. Il est prévu de l'utiliser pour surveiller les lignes de transport d'électricité. Comme un drone, il vole simplement, examine l'état des lignes électriques et dessine leur image en 3D. Cela a également été construit, l'air a été levé l'année dernière. On dirait qu'il n'y a personne de connu dans ce domaine, mais en réalité, au moins deux grandes entreprises de renommée mondiale dans le monde entier prévoient de créer un hôtel stratosphérique, comme une sorte d'hôtel futuriste et innovant, de plus en plus populaire. Le fait que la capsule s'élève grâce à la force d'Archimède et qu'elle soit conditionnellement contrôlable signifie qu'elle est également indirigeable, mais c'est plutôt un aérostat. Il s'élève dans la stratosphère, les gens se reposent, regardent la planète d'en haut, puis d'une manière merveilleuse, toute cette histoire atterrit. Il y a aussi quelques start-up comme ça, elles se sont manifestées, mais pour l'instant, rien n'est encore visible dans le matériel. Oui, et le plus important, tu as oublié de parler de tous, tu n'as pas mentionné nos gars. Autant que je sache, il y a aussi des gens en Russie qui construisent de petits dirigeables. Tu parlais par exemple d'un groupe de Bowman qui a déjà des lancements parfaitement réussis. Et voici. Déjà notre projet, nous avons rassemblé tous ceux qui étaient dans notre pays. Dans notre pays, il y a beaucoup d'enthousiastes, beaucoup de spécialistes dans le domaine et beaucoup de personnes issues de l'industrie aéronautique qui sont toutes conscientes que l'avenir appartient aux dirigeables. Tous continuent à s'y intéresser, même dans des modes facultatifs. Nous avons réalisé de petits modèles, effectué des calculs. Et nous nous réunissions le samedi soir pour discuter de la direction que prendrait finalement l'industrie. Nous développons notre projet en collaboration sur la base de ce bureau d'études clandestin. Il existe aussi de petits appareils stratosphériques. Nous prévoyons le lancement de deux appareils sérieux avant la fin de l'année et de plus, ce mois-ci, un de ce type. Il volera peu de temps, quelques instants. Et la technologie de communication radio-analogique et numérique avec transmission d'images HD sera mise en œuvre. Qualité HD, diffusion en direct directement sur Internet, micronéocar, mais déjà en direction du développement de grandes plateformes stratosphériques. Ils ont aussi ces gars-là, ce petit drone, le dirigeable, ceci. Maintenant, la tâche est de le rendre autonome, car il n'a volé qu'en mode télécommandé. Pour écrire les algorithmes nécessaires afin qu'ils fonctionnent en mode drone, il faut également réaliser cette étape et nous l'avons déjà lancée de manière conditionnelle. D'ici mars, il est promis qu'il y aura un dirigeable plus sérieux que ce petit modèle de 10 kg qui peut transporter quelque chose que je ne me souviens pas exactement, honnêtement jusqu'à 100. Il est également capable de faire de la recherche et développement. Eh bien, il a été créé. Dans l'enthousiasme, mais n'est pas terminé, et nous prenons tout cela. Il est évident que nous sommes tous en train de finaliser cela. Ce sont de très petits, pas rapides, qui vont se produire littéralement dans les six prochains mois, et au cours de ces six mois, des appareils sérieux seront également développés. Par conséquent, oui, Pache, nous sommes aussi déjà pleinement engagés dans cette course. Et donc, si l'on parle de ce qui est le plus important, de ces cerveaux, de l'équipe, ce projet a été préparé. Pendant plusieurs années, la tâche, si je comprends bien sûr, était de rassembler ces personnes, de réunir les équipes qui ont déjà construit des dirigeables en Russie, qui s'y connaissent en pratique. Et à ce moment-là, oui, ce projet a commencé justement maintenant aussi parce que nous avons réussi à le faire, n'est-ce pas Oui, nous avons vraiment réussi à rassembler une équipe. Tout ce que tu dis est vrai. Nous travaillons là-dessus depuis trois ans. Nous avons fait connaissance avec les dirigeables. Ils nous ont présenté à leurs amis avec qui ils s'occupent de tout cela. Nous avons discuté. C'est un peu étrange car nous avons déjà lancé le projet. Mais il y a encore de nouvelles personnes qui apparaissent et qui disent, oui, j'ai travaillé avec ces dirigeables, regardez ce que j'ai, et on a l'impression que tout le monde dans notre pays s'y est intéressé. Enfin, les gens qui sont liés à l'aviation. L'équipe se forme, le noyau principal est déjà clair, et le collectif principal est déjà constitué, déjà... Mais à l'heure actuelle, cela se structure en une certaine architecture, car auparavant, c'était plutôt du genre... Allez les gars, rencontrons-nous le soir, réfléchissons à quel dirigeable nous allons construire. Maintenant, quand tout cela est passé à l'action, nécessaire de répartir les rôles et de distribuer les tâches, il est évident que l'un avait un certain type de projet en tête, l'autre en avait d'autres, et le troisième encore d'autres, mais dans une option optimale, ils convergent tous. Et ces options optimales se sont déjà cristallisées. Et maintenant, c'est précisément l'architecture du collectif qui se cristallise. Donc oui, tout est là. Le travail a commencé. Alors, passons à ce qui est prévu. À l'heure actuelle, nous avons en effet tout ce qu'il faut pour commencer avec succès. Actuellement, nous avons une équipe. Il y a des personnes qui ont construit des dirigeables et qui sont prêtes à le faire à nouveau. Nous avons une grande communauté de personnes prêtes à soutenir ce projet tant financièrement que par. D'autres moyens, oui, s'il y a quelque chose à offrir. De nombreuses personnes, y compris, souhaiteraient obtenir un emploi dans la nouvelle entreprise en cours de création. Et regardons un peu plus vers l'avenir. Je vais maintenant expliquer en détail comment je le comprends. Et tu pourras alors préciser et expliquer plus en détail chaque point, ce que nous faisons et comment nous le faisons exactement. Exactement, en détail. Regardez, amis, une entreprise est en train de se créer. Qui sera dédié à la construction, à la production et à l'exploitation de tels aéronefs, les dirigeables Ces dirigeables seront très modernes et très innovants, il ne faut pas les comparer à ce que l'humanité a construit auparavant. Et dans le cadre de cette entreprise, qui est une société russe, divers types d'actifs différents et différentes directions seront créées, où le travail sera mené de manière significative. Que sera-t-il exactement fait Tout d'abord, un bureau d'études sera créé. En fait, c'est l'endroit où se trouveront les ingénieurs, l'équipe qui sera directement responsable de la gestion de cette entreprise, de la conception euh, des aéronefs. De leurs essais et de tout ce qui est nécessaire pour que ces aéronefs existent et soient produits en quantité suffisante, il sera nécessaire d'acquérir ou d'obtenir un terrain en partenariat sur lequel bah, seront directement situées les installations où ces dirigeables seront fabriqués. Fedor en parlera plus en détail. Maintenant, sur ce terrain, des hangars seront construits. Il est prévu de construire dans un premier temps deux hangars où des aéronefs seront fabriqués. De plus, un a une capacité de charge jusqu'à 2 tonnes, l'autre de 10 à 15 tonnes. Ils auront des destinations différentes et des missions variées et nous avons choisi précisément les options les plus commerciales, celles sur lesquelles il est possible de gagner de l'argent aujourd'hui, celles pour lesquelles il y a une demande et dont la destination de ces aéronefs est parfaitement claire. Nous devrons créer notre propre production où seront fabriquées diverses technologies critiques, car les aéronefs eux-mêmes sont un produit complexe et très sophistiqué. Par conséquent, différents types de sous-traitants seront impliqués, y compris des instituts de recherche et diverses usines de fabrication. Et, pour ne pas tout externaliser, pour avoir la possibilité de préserver l'unicité du produit afin que les technologies critiques ne soient pas volées et que nous ayons un avantage concurrentiel, y compris par rapport à d'autres entreprises qui construisent également des dirigeables. Nous allons produire certaines choses nous-mêmes sans les externaliser. Une question fréquente est bien sûr de savoir qui va gérer ces dirigeables et qui va également s'en occuper. Récemment, j'ai volé en dirigeable en Allemagne et je peux dire que c'est un processus similaire à un vol en avion. Tout y est. Tout y est. Il y a il y a une hôtesse de l'air, un pilote et d'autres employés qui aident à faire décoller ce dirigeable et ainsi de suite. Et bien sûr, il est nécessaire de former tous ces employés. Une telle école sera créée, bien qu'il y ait bien sûr des pilotes de ce type, ils sont assez peu nombreux. De toute façon, ils devront apprendre à piloter ces nouveaux appareils modernes qui seront créés. Une telle école sera mise en place, des accords ont déjà été conclus et des personnes s'occuperont de cela. En créant ces capacités, y compris un bureau d'études qui agira comme un cerveau capable de concevoir et de créer divers aéronefs et des technologies innovantes et des solutions avancées et des systèmes de pointe et des équipements spécialisés, et des services personnalisés, il est prévu que ces capacités seront suffisantes non seulement pour servir nos propres intérêts, notamment pour produire des dirigeables, les vendre et les exploiter, mais aussi pour collaborer avec des entreprises tierces qui pourraient avoir besoin de leurs propres aéronefs pour des tâches et des objectifs spécifiques. En particulier, par exemple, Fedor a dit aujourd'hui que des dirigeables propres seront nécessaires, et qu'ils sont nécessaires à Roscosmos pour transporter les mêmes fusées qui iront ensuite dans l'espace. Il est possible que les aéronefs que nous allons produire conviennent également, mais il y a mais il y a mais il y a mais il y a le marché des dirigeables et les idées de leur utilisation sont si vastes que de telles entreprises pourraient avoir besoin de dirigeables, disons à usage spécial et nous pourrions concevoir pour elles Tel ou tel aéronef, mettre en place la production et créer pour elle un produit unique. Passons maintenant aux détails. Fédor, peux-tu s'il te plaît, s'il te plaît, nous parler de chaque élément individuellement, oh. ce que cela représentera? Je vais vous démontrer schématiquement ce dont je viens de parler en détail et en profondeur. Je précise encore une fois que nous parlons d'un horizon de 3 à 5 ans. Ce qui est important à noter, ce que je viens de décrire n'est que le premier pas, c'est ce qui sera créé dans le cadre du projet d'investissement actuel, mais nous savons où nous allons aller ensuite, comment nous allons continuer à nous développer, et maintenant Fedor va en parler plus en détail. Tout commence avec le bureau d'études. Le bureau d'études est constitué de personnes formées dans une certaine architecture dans une structure organisationnelle, se trouvant au même endroit, ce sont des espaces de location dans un bureau, équipés des outils nécessaires, c'est-à-dire des ordinateurs, des logiciels, des salaires, bien sûr, de la motivation, unis par un objectif commun qui fait son travail. Et cette étape est déjà en cours d'organisation. Nous avons, grâce à Dieu, finalement loué un bureau. J'ai envoyé une vidéo sur Telegram, 500 mètres carrés près de la station de métro Sokol. Ce sera le cœur de ce projet. Là, tous les concepteurs, tous les ingénieurs, tous les techniciens et la direction du projet seront présents. Le bureau d'études, à l'instar du programme soviétique, sera principalement le principal développeur. Il créera un avant-projet, un projet préliminaire et enverra des tâches de développement supplémentaires et de production aux entreprises du secteur selon les cahiers des charges de manière détaillée, minutieuse et exhaustive. Un institut, une production, qui se spécialise précisément dans les moteurs, les enveloppes, les hélices, les systèmes de carburant, les transmissions, l'intérieur de la gondole, le design conditionnel, tout cela sera réalisé en large coopération, en étroite collaboration et sera soigneusement développé. Il n'est pas utile de compter les vis dans son bureau d'études, surtout s'il existe une entreprise qui s'en occupe avec succès. De même, il n'est pas nécessaire de créer un moteur de zéro. Si une entreprise spécialisée dans les moteurs d'aviation existe déjà, qu'elle s'en occupe. Et voici le développeur principalement principal, qui accumule en lui toutes les connaissances et tous les développements qu'il supervise. Par la suite, tout cela se met en place, ce bureau d'études, est déjà en cours de formation, en effet, certainement, deux types d'appareils seront développés, l'un a une capacité de charge de 2 tonnes et l'autre de 10 tonnes. Pourquoi est-il indiqué deux fois ici Oui, c'est parce que eh bien, pour la réalisation, des essais en vol pour la certification de ces appareils ne suffiront pas avec un seul exemplaire. Dans ce cas, il en faut au minimum deux, idéalement presque cinq à produire, mais je pense que deux suffiront pour obtenir le certificat de type pour leur future production en série. Ces appareils de deux tonnes sont soit des passagers à six places, Capable de transporter une tonne de passagers et de fret en plus, soit s'il s'agit d'une gondole allégée, jusqu'à 2 tonnes dans une version sans pilote, un drone conditionnel qui peut transporter ces 2 tonnes. Sur 1000 km, voire 1500 km, ou soulever une certaine charge et rester en suspension pendant quelques jours au-dessus d'un point nécessaire, c'est la plus petite dimension de l'appareil avec laquelle il est logique de commencer. Tous les dirigeables souffrent de cette gigantomanie et veulent construire immédiatement un grand appareil, mais vaut mieux procéder progressivement en commençant par un petit appareil. Et voilà, nous avons déjà créé ce projet conditionnel, nous nous sommes mis d'accord, c'est celui-ci, et le suivant sera un 10 tonnes. Et donc, ce bureau d'études commencera immédiatement et sans délai à développer et concevoir deux appareils sérieux l'un de 2 tonnes et l'autre de 10 tonnes, sans compter les petits développeurs que nous allons gérer. Ceux sont de petits appareils stratosphériques, de petits dirigeables et d'autres équipements similaires. Pendant que les appareils sont en cours de conception, il était nécessaire de se décider sur le terrain où nous installerons les hangars. On peut schématiquement les diviser. En deux pour l'instant, car idéalement, il faudrait d'abord construire un petit. Podeling, c'est l'atelier d'assemblage où il sera monté. De cet institut est venue la coque, de cette usine sont arrivés les moteurs, viennent les gondoles, les hélices, l'avionique, la queue. C'est l'atelier d'assemblage où il est en train de s'assembler. De cet institut est venue la coque, de cette usine sont venus les moteurs, de là-bas les gondoles, de là les hélices, de là l'avionique, le revêtement en toile et d'autres éléments. Tout cela se rassemble à l'intérieur du hangar où l'assemblage final et le gonflage de ce dirigeable avec de l'hélium ont lieu. Il y a tous les systèmes, appareils et automates nécessaires pour sa vérification. Le dirigeable est prêt au décollage. En gros, dans ce grand hangar, il se rassemble puis s'en va s'occuper de ses propres affaires. Comme pour toute voiture, avion, hélicoptère et toute autre technique, il y a un entretien technique. Un hangar est un assemblage et un entretien des appareils qui y ont été assemblés. Ils doivent être construits quelque part. On peut utiliser les locaux actuels qui conviennent en termes de dimensions, ou de vieux hangars, ou d'énormes vieux hangars, ou d'énormes vieux hangars. La deuxième CHT soviétique, sous des lourdes constructions où il y a 40 mètres de large, 200 mètres de long et 200 mètres de haut, nous avons de tels CHT, moum à moum, dans les pensées et en bas. On peut les utiliser, mais pour la production en série, il est préférable de construire à partir de zéro. Ce qui convient parfaitement à l'assemblage des appareils et à leur maintenance technique, plutôt que de prendre ce qui existe et de le faire de manière imparfaite, l'économie est prise en compte dans les deux cas, économiquement. Pour l'instant, aucune décision finale n'a été prise sur le fait de construire exactement à partir de zéro, ou peut-être que nous assemblerons les premiers appareils dans les locaux existants. Mais un hangar est de toute façon nécessaire. Nous ne pourrons pas offrir une gamme complète de services aux clients sans avoir nos propres hangars, car le même grand client dit ⁇ J'ai besoin d'un grand dirigeable avec un hangar, construisez-le ⁇ Et nous, nous répondons ⁇ Oui, mais nous n'avons pas encore construit nous avons juste pris ce qui existe. Ce n'est pas une conversation. Dans ce domaine, il est nécessaire d'avoir ses propres compétences. Il y a deux options à considérer ou alternatives. La première option consiste à acquérir un terrain en propriété, c'est-à-dire à, à l'acheter avec l'argent du projet. C'est l'option idéale. La terre est à soi. Ici, il y a aussi deux options. Prendre de la terre préparée ou non préparée, des terres non préparées, c'est simplement des terres agricoles, de vastes superficies à des prix raisonnables. Ce sont de vieux aérodromes soviétiques, ils sont très nombreux, ils sont appropriés, le terrain y est déjà nivelé, certains sont utilisés, d'autres ne le sont pas, mais représentent déjà des sommes complètement différentes. Mais ici, tu l'as vraiment acquise et tout de suite, toute ta base de permis est prête. C'est déjà un aérodrome officiel au-dessus duquel on peut voler, au-dessus de certains, on ne peut pas voler, il vaut donc mieux choisir ceux au-dessus desquels on peut... Mais prendre des terres agricoles et commencer à préparer toute cette documentation d'autorisation, à faire approuver tout cela dans les administrations, à effectuer des travaux pour aplanir ces terres, pour les compacter, etc., cela prendra beaucoup plus de temps. Ici, il faudra quelques années juste pour changer la destination de ces terres, pour les transformer en aérogare. En effet, il est nécessaire de suivre des procédures administratives complexes et de respecter des réglementations strictes. Cela inclut des études d'impact environnemental, des consultations publiques et bien plus encore. C'est très difficile et cette option est considérée en dernier recours. Dans l'avant-dernier, nous envisageons d'acheter une sorte d'aérograde. Tout ce qui est lié à l'achat s'accorde absolument et de manière parfaite avec le projet. Le projet acquiert une certaine capitalisation. Il commence à posséder des terres, des bâtiments et des structures qui lui appartiennent entièrement. L'argent est conservé. Il ne disparaîtra nulle part. Le deuxième scénario qui pourrait se présenter est la location de terrain, peut-être même d'un petit parcelle dans un aérodrome en activité, ou la location d'un terrain pour la construction d'un hangar. C'est beaucoup. Moins cher que d'acheter le sien et de construire quelque chose, mais il existe des risques, car si le projet plaît beaucoup à quelqu'un et que les lignes se trouvent sur un terrain qui n'est pas le sien, il y a un risque en général. Cependant, cela devient plus intéressant. En termes de délai et d'argent, c'est un concept qui peut être réalisé plus rapidement et de telles propositions existent concernant la location de terrain dans certains endroits, des aérogardes. Mais il y a aussi une troisième histoire sur laquelle nous avons certainement beaucoup d'espoir. Et de telles demandes existent aussi. J'ai un aérogarga, entrons en partenariat, en co-fondation. Par exemple, vous investissez un peu dans ma société, et moi je mets un tout petit peu dans la vôtre. Et voilà, ma terre est déjà votre terre. Construisez ce que vous voulez. Moi aussi, je veux développer des dirigeables. Et c'est le scénario le plus cool selon lequel nous avançons prudemment pour l'instant. Et voici ce que je veux dire. Il y a beaucoup d'offres. Tout le monde appelle avec ses aéroports, ses aérogardes. Nous avons une personne dédiée à cela qui s'y est consacrée toute sa vie. Il revendait des aérogardes et des aérodromes, aidait à construire l'infrastructure là-bas et à les mettre en service. Il s'est avéré qu'il est un ami, assez proche. Et il a dit qu'il allait m'aider, que nous trouverions une solution idéale, ce n'est pas un problème. Il travaille dans ce domaine, dès que nous serons définitivement fixés, nous informerons de la manière dont ce terrain sera acquis, loué, ou si nous entrerons en partenariat, c'est-à-dire qu'il deviendra le nôtre. La question concernant la terre est résolue précisément pour y construire les hangars dont j'ai déjà parlé. Il existe des hangars standards que l'on peut commander auprès d'organisations qui les ont déjà conçus, construits et exploités. Mais notre hangar sera atypique. Des organisations qui ont déjà conçu, construit, exploité, etc. Mais notre hangar ne sera pas typique, car il intégrera des solutions nouvelles, innovantes et qui n'ont jamais encore été appliquées aux grands dirigeables modernes auparavant. Nous pensons sont à la pointe de la technologie. Par exemple, un dirigible peut atterrir sur le toit d'un bâtiment en centre-ville, de la même manière que les héliports le font sur certaines. Résidence. C'est une plateforme similaire, mais avec des mécanismes spécifiques. Il est possible et nécessaire de créer un hangar pour dirigible, et le hangar sera construit de manière à mettre en œuvre cette technologie. C'est précisément l'atterrissage sur le toit, le chargement et le déchargement des passagers, ainsi que le fligage sur ce même toit. Le hangar sera atypique et un hangar atypique est nécessaire. Nous pensons que ce sera soit un petit hangar numéro 1 qui sera conçu pour des 2 tonnes, c'est-à-dire petit, soit ne pas faire du tout le hangar numéro 1 et passer directement au hangar numéro 2, grand, mais également avec un toit fonctionnel. Il y aura des 10 tonnes et des 2 tonnes qui s'y intégreront avec plaisir. Cela reste une décision managériale qui n'a pas encore été prise définitivement, mais il est souhaitable configurer son propre hangar, car c'est là que l'on peut tester de nouvelles technologies. Il s'agit de l'exploitation proche du sol, de l'atterrissage, de l'amarrage et du vol stationnaire du hangar sur des sites spéciaux. Auparavant, les dirigibles s'accrochaient à un mât d'amarrage et tournait autour du mât comme ça, au gré du vent, on peut maintenant créer une plateforme sur laquelle le dirigible pourra atterrir, en s'accrochant directement avec la gondole et en se déplaçant autour, c'est-à-dire que les gondoles pourront également se déplacer avec le vent. Personne n'a encore fait cela. C'est plus raisonnable, c'est ainsi qu'il faut faire, nous allons le faire ainsi, pas seulement cela. En général, il y a de solutions techniques, nous en parlerons plus tard. Je vais raconter... Beaucoup ont vu des vidéos, des anciennes archives, montrant comment les dirigibles étaient sortis du hangar, où des centaines de personnes les tiraient avec des cordes, puis ils les relâchaient doucement et ils commençaient à s'envoler. C'est un Moyen-Âge technique, nous n'aurons pas cela, mais c'est aussi un problème qu'il faut certainement résoudre d'un point de vue ingénierie. C'est une sorte de plateforme sur laquelle il est déjà assis, ce dirigible, à l'intérieur du hangar. Où il sort sur des rails au-delà du hangar, il y est stationné, il s'élève avec le vent et atterrit à nouveau sur cette même plateforme. Toutes ces solutions seront développées, produites, testées, bien sûr, certifiées et brevetées dans les premiers hangars. Voilà, c'est à peu près ça. Alors, bien, donc, qu'avons-nous ensuite Semi-production. Oui, c'est à propos de la production. Ici, des processus technologiques seront maîtrisés. Il ne sera pas nécessaire de commencer par les fondations. Ici, des espaces locatifs conviendront. Tout est similaire à un bureau d'études. Il faudra simplement louer un petit local et établir des processus technologiques pour certaines technologies critiques, par exemple, le soudage des coques, et ainsi de suite. Nous n'en parlerons pas pour le moment, mais ici il s'agit de dire qu'il n'est pas nécessaire de construire une usine, des espaces locatifs suffisent, peut-être même de l'équipement loué, et cela peut exister par exemple dans un technopole, dans une zone économique, où il y a actuellement beaucoup de ressources dans notre pays, avec des espaces et de l'équipement, et tu peux y produire et faire quelque chose. Donc même dans ce cas, il nous suffit simplement d'établir nos processus technologiques critiques. Que nous ne transférerons pas à l'extérieur, mais juste pour éviter que nos méthodes ne soient copiées. Si tout a été distribué, quelqu'un peut passer par les mêmes instances et dire ce que vous avez fait pour eux. Vous pouvez faire la même chose pour moi. Et pour qu'ils n'obtiennent pas cela, les processus technologiques critiques seront la propriété intellectuelle du projet, tant le développement lui-même que les processus technologiques des technologies critiques par exemple, en particulier. À propos de l'école, qui est un sujet important, Pavel a déjà raconté beaucoup de choses intéressantes et pertinentes. Il y a des gens très motivés et prêts à prendre ce fardeau difficile et à le mener à son terme avec détermination et persévérance. Nous avons des pilotes de dirigibles certifiés et des techniciens certifiés, et tout autre personnel d'accompagnement nécessaire et indispensable à leur exploitation. Pour cela, il faut d'abord créer, pour former conditionnellement, le pilote. Il faut d'abord former un expert qui formera le pilote. Pour former un expert, il était nécessaire de créer des manuels, une méthodologie d'apprentissage, divers simulateurs et d'autres éléments. Et tout se complexe. Nous avons une tâche difficile, mais c'est une bonne chose. Dans le pays, il y a des gens qui s'occupent de cela. Et quand ils ont entendu le mot dirigible, ils sont accourus en disant que peu importe comment, je vais construire une école pour former des pilotes de dirigeables. Je viens de terminer la construction d'un hangar pour avions légers et ballons à air chaud. Avec ce planeur et ainsi de suite. Maintenant, nous pouvons même créer une école de dirigeables sur sa base. Tout cela fera également partie du projet. Cela pourrait même être considéré comme une entreprise distincte, car une société d'exploitation, par exemple une compagnie aérienne, qui fournit actuellement des services de transport de passagers et de fret, disposera d'un outil supplémentaire sous la forme d'un dirigible, capable de résoudre certaines tâches. Cette entreprise d'exploitation comprend qu'il est important d'avoir du personnel, et il faut former le personnel. Et donc, cette école, naturellement, formera le personnel sur une base commerciale. Donc, c'est aussi cela. À terme, cela deviendra une direction non subventionnée, mais plutôt commercialement rentable. Ce qui est bien, bien sûr. Oui. À propos des clients. Justement, à ce sujet, je viens de dire qu'il pourrait y avoir des clients, et il y en aura. Concernant les appareils supplémentaires, la perspective de 3 à 5 ans a été jugée trop pessimiste. On a dit que ces deux appareils hangars seraient construits. Le bureau d'études serait formé, le terrain acquis, les hangars construits, conçus, testés au sol, construits, testés en vol et certifiés. Ces quatre appareils, de 2 tonnes et de 10 tonnes. En fait, un 2 tonnes peut même être construit en un an mais il sera comme un pirate. Il pourra décoller, il volera, mais obtenir tous les documents nécessaires et le certifier, c'est une tâche qui prendra au moins trois ans. Pour commencer, même obtenir la certification et la licence de l'entreprise qui fait tout cela, c'est OHO en premier lieu à obtenir ou... Quelle est la procédure Ensuite, bien sûr, la production, puis les tests approfondis. En général, il faut beaucoup de temps pour que cet appareil puisse officiellement effectuer des transports de passagers dans le pays. C'est juste un peu plus loin, peut-être exactement cinq ans. Le transport de marchandises, c'est trois ans. Et il décollera dans un an, de manière conditionnelle. Cela peut prendre un peu plus de temps, mais un délai, d'environ un an à un an et demi, est un délai assez raisonnable pour faire décoller même un dirigible de 10 tonnes, à condition d'un financement suffisant. Dès que ces travaux commenceront, et ils commenceront avant le nouvel an, en ce qui concerne la conception, la connexion avec les instituts de production sectorielle et autres. Dès que le travail sera lancé, des clients pourraient apparaître, et ils apparaîtront, qui diront, voilà, nous avons compris, cette entreprise est sérieuse, elle fait des choses réelles. Pourriez-vous, par exemple, nous réaliser un modèle de 50 tonnes nous avons une telle tâche, nous voyons, calculer, bien sûr, l'économie, nous allons le calculer, ils diront que cela convient parfaitement. Voici la passation de commande chez vous, et nous sommes en train de construire une telle architecture juridique, ainsi qu'une idée générale, en cours. Lorsque le client est venu et a payé pour le développement d'un grand appareil, il est évident que le développement, les essais, la production, ainsi que le mailing, doivent également être pris en compte, et qu'il faut construire quelque part, etc. Naturellement, l'entreprise intègre un bénéfice dans tout cela, qu'il s'agisse d'un paiement unique pour le développement ou d'un pourcentage lié à l'exploitation. En gros, le bénéfice est prévu dès le départ, l'argent du client arrive immédiatement, donc l'entreprise réalise déjà un bénéfice et nous pouvons le distribuer sous forme de dividendes, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui nous en empêche. Nous y avons pensé, donc la perspective de 3 à 5 ans concerne la construction de ce qui a déjà été nommé. Ce sont déjà certains clients avec des projets plus spéciaux. Et qu'en sera-t-il après ces 3 à 5 ans Il y aura une production en série de ces appareils, ainsi que de 2 tonnes et de 10 tonnes dans les hangars, qui seront construits. Ensuite, il y aura des diapositives avec des chiffres concernant la rentabilité. En une année de production en série, c'est-à-dire après 3 ans, une série a commencé, ou après 4, dans le pire des cas, après 5, en une année de production d'appareils en série, il sera déjà rentabilisé plusieurs fois son coût. Et ensuite, ce sera encore mieux, bien sûr, sans oublier les clients externes. Eh bien, dans tous nos calculs, nous suivons toujours le scénario le plus conservateur possible. Nous parlons de bénéfices potentiels et, en conséquence, de la capitalisation de ce type d'entreprise uniquement sur la base du fait que nous avons conçu les appareils, que nous les produisons en série et que nous les vendons directement à ceux qui ont besoin de cet aéronef sans même prendre en compte ce que tu as dit sur la deuxième source de revenus où nous travaillons déjà directement sur un aéronef spécial pour un client spécifique. Donc les chiffres que nous mentionnons sont vraiment très conservateurs. Et malgré tout cela, j'ai inclus la diapositive suivante. Nous parlons de la perspective des prochaines années, de ce qui peut être réalisé avec le budget du projet de 100 millions de dollars. Et maintenant, nous allons parler plus en détail des chiffres. Mais bien sûr, il y a une compréhension de la direction que l'entreprise doit prendre. Et quel type d'appareils volants, par exemple différents et innovants, seront construits dans une perspective à moyen terme de 5 à 10 ans? Ces travaux sont réalisés par les ingénieurs qui seront chargés de la conception des premiers appareils, mais les premiers appareils, on suppose qu'ils sont les aéronefs les plus commercialement intéressants. Car il y a déjà une demande, c'est clair, ici et maintenant. Cependant, ce que vous voyez actuellement, des appareils de 20 tonnes, 40 tonnes, 200 tonnes et stratosphériques, ce sont aussi des aéronefs intéressants qui sont nécessaires. Mais comme l'a dit Fiodor, il est important d'avancer de manière progressive. Il est probablement incorrect de construire un dirigible stratosphérique ou un dirigible de 200 tonnes si l'on n'a pas encore réalisé un petit. Cela concerne le développement futur. Il est clair qu'il y aura des hangars supplémentaires construits. Ici, vous voyez deux hangars supplémentaires où des aéronefs seront assemblés. D'ailleurs, je me souviens que Fiodor a dit qu'il pourrait être utilisé pour la production et qu'il pourrait y avoir des hangars pour des 10 tonnes, oui, peut-être deux hangars pour des 10 tonnes, parce que c'est un type de machine très courant, une vraie bête de somme, ou alors pour des appareils volants plus avancés. Et tout cela sera déjà réalisé soit en utilisant les bénéfices qui seront obtenus, soit en utilisant un financement supplémentaire, qui, en principe, aide toujours à avancer dans n'importe quelle entreprise. Il convient de prendre en considération immédiatement que, dans le cas où des financements supplémentaires seraient utilisés, tant des investissements collectifs que peut-être des investissements privés importants d'un investisseur spécifique, ce seraient déjà des entreprises tierces, telles que, par exemple, des filiales au sein de ce grand holding. Il s'agit de dire que la part des investisseurs qui investissent actuellement, et qui investissent maintenant ne sera pas dilué, même si des fonds supplémentaires sont éventuellement attirés à l'avenir. Il est très important de comprendre que, dans le cas de la création d'une filiale distincte, qui par exemple s'occupera uniquement des dirigibles stratosphériques, les fondateurs de cette entreprise seront cette société mère que nous sommes en train de créer, et également de cette entreprise, ainsi, en investissant aujourd'hui et en créant cette entreprise avec nous, vous bénéficierez toujours de manière significative et durablement des profits de toutes les activités commerciales que cette entreprise mènera à l'avenir à long terme. Eh bien, il est évident que cette entreprise va croître et se développer. L'objectif de toute entreprise est toujours d'augmenter ses bénéfices, d'accroître ses capacités, d'ouvrir des directions commerciales parallèles, et dans tout cela, ceux qui s'engagent aujourd'hui, ceux qui aident cette entreprise à réaliser ses premiers succès commerciaux, en bénéficieront naturellement. Vous voyez également sur ce schéma le client 3, le client 4 apparaît. Cela signifie que dans une perspective d'environ 5 à 10 ans, après qu'un financement participatif ait donné un véritable coup d'envoi à cette entreprise, nous aurons une grande entreprise en développement qui produira selon notre plan au minimum environ six aéronefs et travailler avec un grand nombre de clients et de donneurs d'ordre externes en satisfaisant de manière appropriée à leurs demandes spécifiques concernant des aéronefs particuliers. Théodore. Au tout début, j'ai dit que Solar Group sélectionne un projet qui peut vraiment, en effet, exploser de manière vraiment très large, tant sur le plan financier que technologique, créer une certaine industrie. Notre projet ne consiste pas à construire deux hangars, à construire deux appareils et à les produire en série, en aucun cas. Le projet consiste avant tout à créer une industrie. Nous devrons diriger cette industrie, nous serons les têtes d'affiche de cet événement, nous établirons les tendances, nous devrons les produire, à la fois en série et en masse, les exploiter, réaliser des missions spéciales, accomplir des tâches domestiques ordinaires, les réparer et les remplacer. Après, des décennies. Chaque appareil a, comme une voiture, un cycle de remplacement. Un dirigeable aura en moyenne 15 ans, et après 15 ans, les appareils que nous avons réglés devront être remplacés par de nouveaux. C'est vraiment toute une industrie, et c'est pour très très longtemps, c'est très importante. Pour une centaine d'années, si quelque chose apparaît, en général, cela fonctionne au moins aussi longtemps. Ensuite, c'est aux générations futures de s'en occuper. Le projet est immense, un projet pour des siècles. J'aimerais au moins qu'il dure un siècle, c'est certain. Et c'est là que la société mère, que nous créons par le biais du crowdfunding, est cette même graine, cette même pousse qui donnera cet immense arbre sectoriel. Nous considérons que le concept de l'insubmersibilité est un bureau d'études opérationnel, c'est un terrain, c'est une paire de dirigeables, c'est une paire d'appareils certifiés en vol, c'est une école, c'est une production, c'est une entreprise d'exploitation, c'est le minimum nécessaire qui atteindra déjà l'autofinancement, et à partir de là, il pourra être étendu et exploité. Et c'est bien le projet très ambitieux et innovant qui a été méticuleusement élaboré pour un montant d'environ 100 millions de dollars. Ensuite, cette chose peut déjà payer des dividendes et attirer des fonds externes. Et elle se développe, se développe, se développe et elle ne disparaîtra plus. C'est-à-dire qu'on pourrait se rassembler, par exemple, pour construire un dirigeable, mais après cela, que faire On pourrait se rassembler et avoir un seul hangar, un seul dirigeable, ce serait déjà plus intéressant. Pour développer les technologies nécessaires, former l'équipe requise et acquérir l'expérience nécessaire, nous avons créé un programme que nous avons appelé Projet, et que nous avons commencé ensemble, avec vous, oui, et quand nous parlons de ce que nous avons dit, que cette société commerciale, même sans client externe, avec seulement deux hangars et deux appareils conçus, générera déjà 300 à 400 millions de dollars de profits financiers, tu as bien souligné ici que ce business se rentabilise assez rapidement, en effet, de manière significative. Et c'est justement pour cette raison que, à ce stade, il permet de réaliser ce qu'on appelle en fait des X pour les investisseurs qui rejoignent aujourd'hui, effectivement. Mais pourquoi considérons-nous même que ce bénéfice est en réalité extrêmement faible pour une telle industrie très importante Aujourd'hui, j'ai déjà mentionné que, littéralement, il y a quelques semaines, j'étais en Allemagne et j'ai volé sur un dirigeable de la société Zeppelin, qui en général les utilise activement. À des fins touristiques et pas seulement chaque appareil effectue 12 vols par jour, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un véritable cheval de travail. Et même en ayant deux aéronefs actifs aujourd'hui, comme l'a dit Fiodor, ils sont en train de construire un troisième aéronef qui est prévu pour être terminé bientôt. Ils gagnent entre 100 et 150 millions d'euros par an grâce à ces opérations aériennes. Par conséquent, pour cette direction, les chiffres qui sont mentionnés ne sont pas seulement atteignables, ils sont en effet vraiment très, très conservateurs. Si l'on se penche sur les chiffres, Fiodor a déjà mentionné que pour réaliser ce minimum de base sur lequel il est possible de gagner de l'argent, et lorsque l'entreprise pourra se développer sans apport supplémentaire, investissement sera autosuffisante. Payer des dividendes, etc. Il est nécessaire d'attirer environ 100 millions de dollars d'investissement dans le projet. Cela prend en compte toutes les dépenses potentielles, y compris le marketing pour attirer ces investissements, notamment. Il est également nécessaire de considérer les coûts imprévus. Et cet argent est prévu d'être attiré sur une période d'environ 3 à 5 ans, approximativement. Aujourd'hui, Fiodor a également mentionné que les aéronefs. Apparaîtront beaucoup plus rapidement, donc c'est aussi un délai avec une marge en ce qui concerne le montant de 100 millions de dollars. Nous adoptons également un scénario prudent et conservateur car il n'est un secret pour personne que ce n'est pas notre premier projet d'investissement. À l'heure actuelle, nous sommes capables d'attirer 100 millions de dollars en environ trois ans, même avec les indicateurs financiers actuels mais nous continuons à croître activement. Nous augmentons le montant des investissements attirés et le nombre de personnes qui nous connaissent. C'est pourquoi nous allons travailler pour accélérer ce processus. Ainsi, nous avons un plan sur trois ans. Oui, c'est notre objectif interne. Il est plus que réalisable avec notre vitesse actuelle. Que nous avons déjà effectivement atteinte. À partir d'un milliard de dollars, la capitalisation de l'entreprise que nous créons ensemble, selon l'évaluation classique d'une entreprise, en multipliant le bénéfice annuel par trois, nous obtenons un milliard de dollars. Je répète encore que c'est un scénario conservateur, car ici, nous ne prenons délibérément pas en compte les revenus supplémentaires que nous prévoyons de générer en collaborant avec des clients externes, et nous ne tenons pas compte de l'évaluation spéculative qui sera ici décisive. Vous savez que sur le marché boursier, les entreprises connues ne valent pas seulement 3 bénéfices annuels, mais 10, 20. Et certaines entreprises, si je ne me trompe pas, comme Apple, valent entre 30 et 40 bénéfices annuels. Par conséquent, en réalité, l'évaluation spéculative ici euh, sera beaucoup plus élevée. Mais nous avons l'habitude de parler le langage des chiffres et de considérer tout, disons-le ainsi, selon la logique commerciale standard. À vrai dire, en fait, en réalité, mais même avec ces estimations modestes, cela permet déjà aux investisseurs qui rejoignent aujourd'hui de gagner sur leurs investissements de 10, 50 ou 100 fois selon le moment où vous rejoignez le projet. Je vais en parler maintenant aussi, en fait. Aujourd'hui, un peu de plus. À propos de la capitalisation, réfléchissez simplement par vous-même. Imaginez qu'une entreprise est apparue dans le monde, produisant des drones dirigeables, des aéronefs touristiques qui livrent, des charges ultra importantes comme des lanceurs de fusées vers des cosmodromes. Cette entreprise crée des appareils stratosphériques qui forment leur propre groupe à faible altitude, assurant des communications et de la télédétection de la Terre. Cette même entreprise conçoit des appareils pour l'agriculture. Quelle pourrait être sa capitalisation sur le marché Elle devient comme spatiale, comme SpaceX immédiatement, et donc, à partir de ce minimum avec lequel nous commençons, avec cet argent minimal, elle peut, enfin, nous voulons attirer 100 millions de dollars. C'est-à-dire que c'est en gros une unité égale. Alors combien cela peut-il se multiplier De ce volume de tâches résolues, de la fantastique vertigineuse, comme cet hôtel volant que vous avez là-bas, ou ce groupe de satellites en orbite autour de la Terre, ou ce drone autonome qui transporte des tonnes de marchandises sur une distance de 2000 km, il est en fait impossible d'évaluer la capitalisation du point de vue spéculatif, comme l'a dit Pacha. C'est probablement un X là-bas, 1000 et plus. C'est un bénéfice annuel résultant de la production en série qui pourra financer deux hangars que nous construirons. Ce qu'ils pourront fournir générera des bénéfices de manière significative. Ce bénéfice a été multiplié par les ventes, pas par l'exploitation. pas par l'école pas par des projets externes. La vente à sec d'appareils en série, le bénéfice net multiplié par 3, soit un total d'un milliard, c'est déjà une capitalisation d'un milliard de dollars, c'est déjà X10. Et compte tenu de toute la spécificité et des plans de l'entreprise, je pense qu'il y aura beaucoup... Oui, nous pouvons regarder avec confiance, comme je l'ai déjà dit, les exemples d'autres entreprises technologiques. Il est facile de trouver grand nombre d'entreprises qui valent 20 à 30 fois leurs bénéfices. Eh bien, nous pouvons donc multiplier 300 par 10 par 20 par 30. Et tout cela est plus que vrai, il y a suffisamment de telles entreprises, mais nous considérons cela comme un scénario conservateur. J'ai aimé comment tu as dit la dernière fois que lorsque le premier dirigeable s'envolera dans le ciel, la capitalisation s'envolera et quand le premier dirigeable s'envolera dans l'espace, dans la stratosphère, la capitalisation s'envolera là aussi. Dans la stratosphère.. Oui, parlons maintenant de ce que reçoivent directement, par exemple, les investisseurs. Nous avons parlé de la raison pour laquelle l'entreprise est créée de l'utilisation des fonds, de la manière dont elle va générer des revenus et de ce qui est proposé à l'investisseur en échange de l'argent qu'il est prêt à investir dans le projet. Une entreprise russe est en cours de création, en réalité elle existe déjà et toute la base juridique nécessaire est actuellement en préparation. Tout est aussi transparent que possible. Il sera possible de trouver cette entreprise dans n'importe quel registre des personnes juridiques en Russie et de consulter tous les documents. En gros, tout est assez clair et transparent à ce sujet en Russie. Les investisseurs se voient proposer pour l'ensemble de cette somme totale de 100 millions de dollars. Approximativement environ la moitié de cette entreprise prospère, soit 49%, tandis que 51% restent toujours à l'équipe qui réalisera directement le projet, gérera cette entreprise et commercialisera ses aéronefs innovants. Comment cela est-il structuré sur le plan juridique Actuellement, c'est une SARL, donc ne vous inquiétez pas de ce qui est écrit en bas, un milliard d'actions. Naturellement, une société à responsabilité limitée ne peut pas avoir d'action. La forme juridique est ⁇ la société Solar Group détiendra une participation de 49% dans la création de cette entreprise. C'est en fait la même société financière qui s'occupe d'attirer des investissements de manière efficace. Et cette entreprise, Solar Group, à son tour, va vendre des parts d'investissement que vous pouvez également acquérir de manière significative. Et profiter des avantages, il s'avère qu'en fait vous achetez des parts de la société Solar Group et Solar Group en réalité à son tour détient une part de 49% dans cette SARL après que le financement sera terminé en totalité et complètement. La société Nova que nous créons se transformera de manière significative en société par action et émettra des actions. Et par conséquent, 49% de toutes les actions resteront à la société Solar Group. Après cela, la société Solar Group échangera les parts achetées par les investisseurs contre des actions. Chacun de vous recevra des actions de cette entreprise, devenant ainsi un copropriétaire et actionnaire à part entière. Je pense que vous comprenez certainement ce que l'on peut faire avec des actions et comment on peut en tirer profit. Il y a classiquement deux options. Première option, vous pouvez garder ces actions chez vous, évidemment. L'action de toute entreprise prospère a toujours tendance à croître, même s'il n'est pas nécessaire d'avoir une capitalisation de plusieurs milliards pour tout vendre. Vous pouvez détenir des actions de cette entreprise pendant 5 à 10 ans, les transmettre par héritage, c'est votre propriété privée, donc vous pouvez envisager un investissement à long terme. Si vous détenez ces actions, vous pouvez naturellement vous attendre à une part des revenus proportionnels à votre part dans l'entreprise de manière significative et stable. C'est pourquoi Fiodor a déjà mentionné que l'entreprise prévoit de verser des dividendes. Oui, une partie des bénéfices que l'entreprise générera sera distribuée entre les actionnaires. Et donc, en tant qu'actionnaire, vous pourrez également recevoir cet argent. Après cette émission d'actions, la société prévoit de lancer approximativement 1 milliard d'actions et donc environ 49% de ce milliard sera réparti entre tous les investisseurs. La société Solar Group émettra environ 50 milliards de parts environ qui seront vendues aux investisseurs pour un montant total de 100 millions de dollars et chaque investisseur pourra comprendre combien de parts il possède, quel pourcentage, lui appartient par rapport au nombre total de parts et il sera également facile de calculer combien d'actions vous posséderez également, puis de calculer tous les bénéfices personnels. Il est clair que le projet sera financé pendant un certain temps, environ approximativement. Cela ne se produira certainement pas en un jour ni en un mois. Nous avons déjà mentionné que nous prévoyons un délai d'environ 3 à 5 ans avant la fin du financement. Et pour plus de commodité, ce financement est très pratique et facilement divisé en 20 étapes de financement. En quoi ces étapes diffèrent-elles À chaque étape, il y aura différentes conditions d'investissement. Je pense que vous comprenez qu'en investissant, par exemple, au premier ou au deuxième stade de financement, vous prenez des risques beaucoup plus importants que ceux qui viendront dans quelques années et investiront déjà au 17e ou au 18e stade, parce qu'il y a encore beaucoup de questions, il n'y a pas encore de site, et le travail complet n'a pas encore commencé, nous en sommes au tout début, mais si vous investissez aujourd'hui, votre risque sera en effet compensé par le fait que vous obtenez les meilleurs. Conditions d'investissement. Par conséquent, la phase initiale... De financement est toujours la plus avantageuse en termes de coût d'une part, au prix de laquelle vous l'acquérez, mais elle est bien sûr plus risquée en effet. À cet égard, veuillez noter que nous sommes actuellement à la phase zéro et vous le voyez sur la diapositive, nous l'appelons également la phase préliminaire, la phase de préparation. Cela signifie que notre financement complet n'a même pas encore commencé. Il commencera dès que nous passerons à la première des 20 étapes d'investissement. Mais dès maintenant, nous avons commencé à attirer les premiers investissements afin d'organiser et de lancer le projet. Par exemple, Fiodor a dit que le bureau a déjà été choisi et que le travail commencera bientôt. À ce stade préliminaire, vous avez l'opportunité d'accéder aux meilleures conditions d'investissement qui ne seront jamais disponibles pour personne d'autre dans ce projet, et notez qu'ils sont en fait deux fois plus rentables qu'ils ne le seront vraiment au premier stade de financement. À ce stade de financement, ils sont significativement plus rentables. À chaque étape, les conditions d'investissement deviendront de moins en moins attrayantes, mais naturellement, cela sera compensé par le fait que les risques du projet diminueront mois après mois. Alors, mes amis, si vous faites partie de ceux qui aiment ce sujet, si vous êtes parmi ceux qui sont prêts à soutenir notre projet dès le début, je vous recommande bien sûr de ne pas manquer les opportunités financières qui se présentent à vous aujourd'hui. Pour étudier plus en détail les conditions d'investissement, connectez-vous à votre espace personnel. Là, vous pouvez voir ce que nous proposons. Nous ne vendons pas nos parts à l'unité. Nous les vendons bien en gros et les regroupons en ce que l'on appelle des paquets pour votre commodité. C'est-à-dire que vous pouvez payer par exemple 1000 dollars et pour 1000 dollars, vous aurez un certain nombre de parts, par exemple 100 000 parts. Et si vous choisissez un forfait plus grand et plus avantageux, le prix de gros s'améliore considérablement et plus votre investissement est vraiment important. Plus cela devient extrêmement avantageux pour vous en termes de coûts par part, veuillez également noter que vous pouvez investir progressivement et graduellement. Vous pouvez réserver le paquet d'actions de votre choix et ne pas payer 1000 dollars en une seule fois, mais par exemple étaler ce oh, paiement sur 10 ou même 20 mois en versant seulement 50 ou 100 dollars à tout moment. Les conditions d'investissement vous seront attribuées au moment où vous commencerez à rembourser ce paquet d'investissements. C'est aussi fait pour vous car nous prônons une politique selon laquelle il faut investir une petite somme. C'est en général une norme standard en matière d'investissement selon laquelle il faut investir 5, 10, 15 de ses revenus et c'est précisément cette proportion qui vous permettra de le faire chaque mois car dans les investissements, c'est celui qui gagne, ce n'est pas le sprinter mais celui qui court un marathon. Veuillez également noter que nous avons un support client dans notre espace personnel. Vous pouvez toujours vous connecter et lire toutes les informations disponibles dans votre compte à tout moment et facilement. Si quelque chose n'est pas clair pour vous, écrivez dans le chat en ligne. Là-bas, on vous conseillera toujours et vous aidera à tout comprendre pour les personnes qui sont avec nous depuis longtemps et qui aident à développer le projet. Je tiens à rappeler que dans le nouveau projet d'investissement dont nous parlons aujourd'hui, toutes les structures de partenariat ont été conservées. Nous avons promis que nous le ferions et bien sûr, nous avons tenu notre parole. Système Vous pouvez maintenant certainement promouvoir à la fois le projet Sobelmash et le projet dirigible et recevoir une récompense de parrainage sans aucune restriction, absolument. La seule restriction concerne uniquement vos clients qui se sont inscrits dans leur espace personnel avant le 7 août seulement. Si vous avez de tels clients pour recevoir une récompense de parrainage de leur part, vous devez suivre un plan marketing simple et efficace. Il est actuellement affiché. A l'écran, quelques étapes simples, euh, faciles et rapides, que vous pouvez suivre pour continuer à gagner de l'argent avec vos ancien client est efficace pour vous assurer. Des informations détaillées sont disponibles sur notre landing page qui est accessible dans votre espace personnel. Lisez-la car elle contient toutes les informations détaillées et elle sera complétée et élargie. Nous commençons absolument ce projet complètement et totalement sur d'autres bases différentes. Lorsque nous avons commencé à financer le projet d'investissement Sobolmash, nous n'avions qu'une audience de seulement 6000 personnes dans le groupe V-Contact. Nous avons maintenant plus de 500 000 personnes, ce qui est incroyable, qui sont enregistrées sur notre plateforme d'investissement. Et nous voyons déjà que le financement de ce projet avancera très certainement et évidemment plus rapidement. J'ai consulté les statistiques. Au cours du premier mois de fonctionnement de notre premier projet Sobolmash, nous avions 135 investisseurs. Tandis que dans le nouveau projet, au cours du premier mois, nous avons eu presque 1500 investisseurs, ce qui signifie que nos taux actuels sont dix fois supérieurs à ceux que nous avions dans le premier projet d'investissement. Donc, ne vous laissez pas tromper par le fait qu'il y a beaucoup d'étapes, tout ne se déroulera pas aussi facilement, et donc cette phase de pré-lancement qui se déroule aujourd'hui sera en fait également assez courte. Nous avons déclaré que nous prévoyons de lever 2,5 millions de dollars dans le cadre de cette phase de pré-lancement. Actuellement, ce chiffre a été provisoirement réduit à environ 1 million de dollars. Eh bien, il s'avère qu'à peu près à mi-chemin, nous avons déjà attiré environ 50% de ce million. Donc, si vous prévoyez d'investir, rappelez-vous que le temps est limité. Je tiens également à attirer votre attention sur le fait que les paquets d'investissement que vous acquérez aujourd'hui ne pourront être augmentés que tant que durera cette phase de pré-lancement. En effet, actuellement, dès que nous passerons à la première étape de financement, il ne sera plus possible d'augmenter vos paquets d'investissement actuels. Il ne sera possible de prendre que des nouveaux seulement selon les conditions qui seront disponibles à ce moment-là. Donc, réfléchissez encore une fois si vous avez vraiment effectué le montant d'investissement qui vous convient. Veuillez noter que, à ce sujet, nous avons pour l'instant de longues échéances pour certains forfaits, des paiements échelonnés sur 50 mois. Vous voyez, le forfait d'investissement est vraiment important, par exemple de 50 000 dollars. Mais si l'on regarde sur 50 mois, une somme d'investissement mensuel relativement modeste et régulière vous permettra d'obtenir de meilleures conditions d'investissement et de prendre un grand paquet d'investissements sur une si longue distance à long terme. Alors, amis, si cela vous intéresse, devenez copropriétaire de l'entreprise. Nous vous avons parlé aujourd'hui si vous souhaitez revoir des dirigeables en masse dans le ciel, dans la stratosphère. Et si cela vous tient à cœur de savoir qui le fera, car il est certain que nous commencerons bientôt à les voir, Fedor a raconté aujourd'hui que des pays et des entreprises avancent activement dans cette direction, mais si vous voulez que ce soit vraiment nos dirigeables russes, soutenez absolument et sans réserve notre projet et observez très attentivement comment, littéralement sous vos yeux, nous créerons une grande entreprise mondiale de construction de dirigeables. Alors, faisons revivre les dirigeables ensemble. Et sur cela, je pense que nous pouvons passer à vos questions que vous écrivez sur le contact sur YouTube. Écrivez immédiatement, tout de suite. Prenons un moment pour détailler et examiner en profondeur les points principaux et essentiels de ce sujet complexe et intéressant. Alors, Fiodor, tu m'entends bien, oui. Euh, je vais alors, bien sûr, d'accord. Alors, je vais te lire des questions, certaines questions qui pourraient être liées aux investissements. Peut-être que je vais peut-être y répondre moi-même. Eh bien, voici la toute première question que nous avons pour vous aujourd'hui encore. Nous avons parlé du fait qu'il existe d'autres entreprises qui construisent des dirigeables aujourd'hui, et la question est de savoir si nous pourrons être compétitifs, et si nous pourrons être meilleurs que les Chinois ou les Allemands dans ce domaine. Un peu de motivation dans ce discours. En réalité, il n'y a pas de force. En général, nous n'avons pas de concurrents. Tous ceux qui promeuvent la construction de dirigeables sont nos collègues. Pour établir cette industrie, nous devons nous entraider et ne pas rivaliser. Le domaine est réellement inexploré, allant de petits drones capables de transporter 500 kg sur 500 km ou quelques tonnes sur plusieurs milliers de kilomètres, jusqu'à d'énormes plateformes spécialisées qui accomplissent des tâches spécifiques pour des pays particuliers. Par exemple, pour nous, c'est Cosmos la livraison de nos lanceurs. Ils ont leurs propres nuances spécifiques et distinctes dans nos latitudes, dans le nord. Ils ont leurs propres tâches particulières et spécifiques, chacun a ses propres tâches bien définies et distinctes. Il n'y aura probablement pas de solution universelle, disons, unique, que quelqu'un aurait créée et que tout le monde dirait Eh bien, c'est bon, maintenant le marché est occupé pour nous. Non. Si quelqu'un fait quelque chose, il faut s'unir avec eux, il faut se lier d'amitié, et seulement ensemble nous pourrons, eh bien, vraiment donner naissance à cette industrie, la créer. Ce que l'on fait ici, ce que l'on fait là-bas, ce que l'on fait ailleurs, ce n'est pas de la concurrence, ce sont nos collègues, et il est vraiment préférable d'aider tout le monde. Il est évident que la question ici est celle du profit, et c'est une entreprise commerciale, vous devez y fabriquer les meilleurs dirigeables, c'est chez vous qu'ils doivent être achetés. Tout cela est clair. Il y aura des clients pour tout le monde et ils auront leurs propres clients. Par exemple, les Chinois doivent l'accepter, ainsi que les Français, les Anglais, et nous aurons nos propres clients. Parce que l'industrie n'en est qu'à ses débuts. Il est clair qu'à la fin de cette course, enfin, au milieu, à un tiers de cette course, dans environ 15 ans, espérons-le, 20, il ne restera que des leaders. Nous sommes naturellement en tête et nous souhaitons idéalement être les premiers. Même si tu es deuxième ou conditionnellement troisième, il restera des leaders du secteur et ils partageront quand même le marché entre eux. Certains réaliseront certaines fonctionnalités, d'autres leurs propres fonctionnalités. Certaines entreprises d'exploitation, d'autres de production et d'autres des bureaux d'études, certains les meilleures enveloppes, d'autres les meilleurs moteurs et tout se réglera. Ainsi fonctionne le marché. Il ne reste que trois entreprises capables de produire. Des avions longs courriers, mais en ce qui concerne les voitures, par exemple, il n'y a pas seulement assez de doigts pour les compter. Tu ne les connais tout simplement plus, elles naissent presque tous les jours, et tout sera commercialement réussi, prospère. C'est-à-dire que je ne penserai pas du tout à la concurrence dans les 20 prochaines années. Tout ce que nous ferons sera en demande. Et ensuite, oui, il faut être un leader pour ne pas se faire dévorer. Et nous prévoyons d'être ce leader. Oui, les amis, en fait, j'ai aussi pensé à cela. Je veux vous poser une question pendant que Fédor répondait. Je remarque déjà pour la première fois lors de nos webinaires que le nombre de spectateurs augmente de plus en plus. Pendant que nous animons le webinaire, écrivez, c'est même intéressant. Peut-être que quelqu'un vient juste pour poser des questions spécifiques, afin que nous comprenions, ou peut-être que finalement 7 heures nous conviendraient mieux que 5 heures. Cela nous aidera également à comprendre pourquoi le nombre de spectateurs augmente au fil du temps du webinaire, alors que d'habitude c'est l'inverse. Parfois les gens se fatiguent et s'en vont. Eh bien en profitant de l'occasion, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un like là où vous regardez sur YouTube ou sur VContact. Allez-y, appuyez, ne soyez pas paresseux. N'oubliez pas que le projet est populaire et c'est de chacun d'entre vous que dépend la rapidité avec laquelle se réalisera ce dont nous vous avons parlé. Cela se produira de toute façon. Mais dans deux ans, dans trois, dans quatre, oui, cela dépend de vous. Je pense que vous êtes tous intéressés à ce que cela se produise le plus rapidement possible, afin que vous puissiez également être fiers de vous, car grâce à vous, tout cela est apparu. Eh bien, le partage est aussi très important. La question suivante concerne le tir d'un fusil sur un dirigeable. Le gaz va s'échapper, oui, le dirigeable va tomber. Comment va-t-il s'éloigner en étant protégé eh bien, si l'on tire avec un fusil sur une voiture, la voiture ne s'en sortira pas indemne non plus. Si on touche le moteur, elle s'arrêtera immédiatement. Un avion et un hélicoptère, si ce n'est pas du matériel militaire blindé, souffrent tous d'un tir de fusil, et avec un dirigeable, il est évident que quelque chose se produira. Si c'est un appareil adéquatement grand, et qu'une vis a tout de même réussi à le transpercer, elle n'a traversé qu'une seule section, et il est tout à fait probable, bien sûr, que les capteurs enregistrent une baisse de pression. Certainement. Probablement. Mais dans l'ensemble, la charge non utile, les passagers ne le sentiront même pas. Il ira tranquillement jusqu'à sa destination. Et si ce n'est pas une semaine de vol, mais un jour, s'il vous plaît, il passera encore tranquillement. Nous avons percé une section. Il n'y a rien de terrible là-dedans. Il y a déjà eu une expérience ici en Russie. Lorsque nous avons testé ces dirigeables de la série AU, une hélice s'est rompue. L'hélice était dans un anneau, elle a brisé l'anneau, et un morceau de l'anneau a perforé la enveloppe, pas complètement de ce côté. Mais il y avait un trou, le gaz s'échappait, tout le monde était contrarié que l'hélice se soit rompue, l'anneau n'était plus là. Nous avons fixé une hélice de rechange, nous avons volé jusqu'à l'endroit où nous devions aller, nous avons garé le dirigeable dans l'atelier. Et seulement après, le lendemain matin, nous sommes littéralement entrés, et avons vu que quelque chose n'allait pas. Il était dégonflé. Nous avons trouvé la perforation. Là, le gaz n'est pas sous une pression aussi élevée que dans la roue. Il n'explose pas, il ne claque pas. Là, la pression est proche de celle de l'atmosphère, et le transfert de gaz d'un endroit à un autre se fait lentement. C'est ainsi que cela se passe, même d'après l'expérience. Étant donné que l'état sera multisectionnel et ainsi de suite, même les sorties de construction d'une ou deux sections n'affecteront en rien ces caractéristiques de vol et techniques. Parle-moi, plus en détail, car je pense que c'est très important. Quand j'ai entendu parler de ça pour la première fois, j'étais très content et surpris que ça fonctionne exactement comme ça. Ce ballon, ce n'est pas simplement qu'il est rempli de gaz, il est gonflé par section. Et si, comme l'a écrit une personne, tu tires avec un fusil, une section s'est dégonflée, oui, mais les autres sont restées et tu peux atterrir tranquillement, par exemple. Oui, mais même le mot dégonflé ne fait pas référence à un ballon il y aura une perforation et pendant un certain temps, le gaz continuera à s'échapper. Et pendant un certain temps, même la première heure, tu ne comprendras même pas visuellement s'il se dégonfle ou non. Si c'est un appareil rigide, on ne comprendra jamais. Il y a des appareils souples, semi-rigides et rigides. Dans un appareil rigide, tu ne verras absolument pas qu'il se dégonfle car le cadre maintient la forme. Et une section, tu peux l'enlever complètement et rien ne changera. Que dire de plus à ce sujet C'est simplement multisectionnel. Idéalement, bien sûr, il faudrait arriver à un tel dispositif. Il peut ne pas être parfait, et c'est une histoire presque fantastique. Mais vous avez tous mangé une grenade ordinaire, celle que vous achetez au magasin. Vous la cassez, et il y a beaucoup de petites baies, qui sont posées les unes à côté des autres. C'est une fantaisie. C'est clair. Le fait qu'il y ait de petits sacs de gaz alourdit tout, car, comme on le sait, les enveloppes sont doubles, mais on peut se donner du mal et faire en sorte que les membranes soient simples entre ces sacs. À la question comment le gaz doit être introduit, il doit y avoir des capillaires entre les membranes, clair, mais l'image idéale du monde, c'est quand à l'intérieur de ce dirigeable, il y a beaucoup de compartiments. Et même si une balle le traverse ainsi, elle ne met hors service qu'une très petite partie, tout le reste reste intact. C'est l'idéal. Évidemment, il n'y aura pas de si petits, ils seront un peu plus grands. Mais dans l'ensemble, c'est à peu près ça. Eh bien, je pense que la question des technologies, n'est-ce pas Donc, en tant qu'idée, c'est intéressant. Eh bien, la prochaine question concerne l'hélium. Où allons-nous le trouver en si grande quantité Eh bien, il y a beaucoup d'hélium sur la planète, et je viens de lire quelque part que les gars se demandaient sur quoi nous allons voler. L'hydrogène est explosif, l'hélium commencera à manquer dans environ 150 ans et sera très cher. Eh bien, pour les 150 premières années, il y a de l'hélium. Il y a en réalité beaucoup d'hélium. Sa production augmente, augmente et continuera d'augmenter. Et il devient également moins cher. Dans notre pays, une grande quantité d'hélium sera produite dans un avenir proche. Et ils ont également des questions concernant la livraison d'hélium liquéfié. Par exemple, vers les pays d'Asie. Si nous résolvons ce problème non seulement nous en tirons des bénéfices, mais nous avons également accès à une source de hélium gratuit. Eh bien, en ce qui concerne le troc, il est clair que personne ne fera rien gratuitement là-bas, mais en général, dans notre pays, il y a tellement de ressources que... Il y en aura certainement assez pour nos dirigeables, et nos voisins, par exemple les Chinois, en auront aussi assez. Tout le monde dit, par exemple, que font les concurrents, que font les Chinois qui va leur vendre de l'hélium pour les dirigeables. Où vont-ils voler avec de l'hydrogène explosif Eh bien, ici, c'est vraiment, vraiment magnifique, absolument, n'est-ce pas Il y a de quoi négocier. Alors, les amis, je vous rappelle également de prêter attention à la description de la diffusion sur YouTube ou Vcontact, où que vous regardiez nous avons une liste de réseaux sociaux actuels, oui, et je vous recommande de vous y abonner. Il y a Telegram, Vcontact. Et en particulier sur Telegram, nous avons un groupe, nous avons un chat. Il y a aussi un blog avec des questions. Donc, si par exemple vous regardez en replay ou si vous souhaitez poser une autre question à Fiodor, vous pouvez le faire là-bas. Eh bien, vous pouvez également suivre ce que nous faisons dans un format qui vous convient. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, d'autant plus que nous nous souvenons que YouTube est traditionnellement le plus regardé. Mais YouTube, pas aujourd'hui, alors demain, il se peut qu'il soit de nouveau bloqué. Donc, pour ne pas vous perdre, assurez-vous vous abonner aux autres endroits. Et en ce qui concerne l'équipe, nous parlons constamment du fait que nous avons rassemblé différents constructeurs et qu'ils vont travailler ensemble à Moscou. Cela signifie-t-il qu'ils vivent tous à Moscou ou comment allons-nous collaborer avec des personnes d'autres villes Oui. L'équipe principale est entièrement à Moscou, travaillant dans des entreprises spatiales et autres à Moscou. Donc, pour répondre brièvement, oui, tout le monde est à Moscou. Et bientôt, tout le monde va commencer à travailler, n'est-ce pas, dans ce bureau dont tu parlais Oui, bien sûr, déjà ce mois-ci, peut-être. On demande des réductions sur les billets pour le dirigeable pour les investisseurs du club 100 et 1000. Alexei pose la question. Alexei, d'ailleurs, nous en avons discuté très sérieusement. Personnellement, j'aime beaucoup cette idée, donc je l'accepte tout à fait. Vous pouvez discuter avec Sergei Tchevchenko, si vous êtes du club 100 et 1000, afin qu'il, comme on dit, n'oublie pas de nous transmettre cette idée. Je pense que c'est possible. Et puisque la question concerne les clubs, je vous rappelle, amis chers, que nos clubs de 1000 et de 100 sont en expansion. Auparavant, il s'agissait de clubs de ceux qui avaient investi dans le projet Sobelmash. Maintenant, ce sont des clubs de l'ensemble de la société Solar Group. Et vous pouvez rejoindre le club des premiers investisseurs en investissant dans un nouveau projet d'investissement, le dirigeable de nouvelle génération. Les membres du club bénéficient de plusieurs privilèges par rapport aux autres investisseurs. Donc, si vous souhaitez faire partie du club, étudiez les conditions. Toutes ces informations sont disponibles dans nos actualités. On peut rejoindre le club avec certains investissements, le club 1000 à partir de 5000 dollars et le club 100, je crois, à partir de 20 ou 25 dollars dans le nouveau projet. Et le nombre de places est limité. Comme vous le comprenez, le club 1000, c'est 1000 personnes. Le club 100, c'est 100 personnes. Dans le premier projet, à mon avis, en l'espace d'un an ou même moins, tous les clubs ont été remplis assez rapidement, donc faites-y attention. Je voulais dire, concernant les clubs, à propos de ces billets et ainsi de suite, lors de l'un des premiers webinaires, je me souviens qu'il a déjà été dit que, soit pour les clubs, soit pour les investisseurs, il y aura des balades gratuites. Je pense que c'est déjà enregistré quelque part, et qu'on nous le montrera plus tard. Donc, ce n'est pas seulement des rabais, nous sommes inscrits pour des balades gratuites. Bienvenue dans les clubs. Oui, étant donné que, comme je l'ai dit, il y a 12 vols par jour en Allemagne. Oui, c'est un dirigeable touristique qui le fait, mais tant que nous ferons voler tous les investisseurs là-bas avec environ 10-12 vols dans la région de Moscou ou de Sochi, je pense que nous y parviendrons en quelques années. Eh bien, quelle expérience d'exploitation eh bien, en fait... De plus, nous avons promis que nous organiserons une conférence sur les premiers dirigeables touristiques. Qui devrions-nous inviter à la conférence Ce ne sont pas des gens du club. Voici qu'Artium écrit aussi, et j'ai déjà vu quelque part sa question ou peut-être une proposition, de créer un bureau Solar Group dans un dirigeable et d'y organiser des séminaires et des conférences. Donc, nous allons bientôt animer des webinaires depuis le dirigeable également. Une personne écrit qu'elle est prête à se reconvertir de pilote d'hélicoptère à pilote de dirigeable. Où doit-elle soumettre sa candidature pour la reconversion eh bien, il faut attendre encore six mois à un an. Et alors, il y aura un endroit où vous pourrez soumettre vos documents. Nous allons tout rendre public sur tous les sites, sur tous les réseaux sociaux, etc. Pour la reconversion, des méthodologies sont tout de même nécessaires. Il faut organiser tout ce processus il faut créer un simulateur, etc. En gros, attendez un peu et l'inscription sera ouverte. Je ne sais pas comment nous allons procéder, que ce soit sur une base de concours ou autre, mais en gros, nous aurons besoin des premiers pilotes. Très probablement, tout cela sera financé par la formation. Mais grâce au projet, il sera naturellement nécessaire de recruter, former et créer les équipes nécessaires. Et que se passera-t-il si vous tombez sur UGU Cette équipe sera formidable. Attendez un peu. Dans un an, le premier dirigeable décollera déjà. Il décollera, très probablement, à la fois en version autonome et en version pilotée. Pour l'instant, actuellement, il y a des pilotes qui ont déjà des droits alias pour diriger un dirigeable. Mais depuis le moment où il a décollé, nous devrons déjà préparer un grand effectif. Dans un an Eh bien, en général, oui, les personnes qui souvent écrivent qu'elles veulent travailler dans l'entreprise ou autre chose, je répète encore une fois que vous devez... Contacter Fiodor, disons, oui, comment le contacter au mieux, vous pouvez soit rejoindre notre groupe sur Telegram, y trouver et lui écrire en privé, soit écrire au support dans votre espace personnel, il y a un chat en ligne ou un numéro de téléphone, vous pouvez appeler, ils vous transmettront les contacts si vous souhaitez proposer quelque chose ou même vous faire embaucher. Tout cela est tout à fait possible. Eh bien, quand le site de la société technologique elle-même sera en ligne, je pense qu'il sera vraiment possible d'appeler sans hésitation. Alors, le nombre de parts dans les paquets changera-t-il lors du passage à la première étape Oui, cela changera. C'est justement là tout le sens du financement. Ce dont nous avons parlé aujourd'hui, vous voyez un paquet de parts et il coûte par exemple 1000 dollars. Et maintenant dans ce paquet de parts, il y a par exemple 100 000 parts, c'est-à-dire qu'avec 1000 dollars, vous achetez aujourd'hui 100 000 parts. 100 000 parts, 100 000 parts. Que se passera-t-il lorsque nous passerons à la première étape de financement Dans ce paquet, il y aura deux fois moins de parts, ce qui signifie que notre remise sera réduite de moitié. Le changement sera très très radical, donc en payant la même somme de 1000 dollars. Vous recevrez non pas 100 000 parts, mais en réalité 50 000 parts. C'est justement pour cela qu'il s'agit de l'étape pré-lancement aujourd'hui, une étape où il y a le plus d'incertitudes, le plus de risques, mais cela est largement compensé par les conditions d'investissement. Alors, eh bien, il y a des propositions concernant la création d'une membrane qui bloquera les fuites. Oui, en cas de tir avec un fusil. Et d'autres propositions existent ici Eh bien, je comprends, Fédor, que tu consultes aussi le chat et que tu peux prendre certaines choses intéressantes en considération. Je t'entends un peu moins bien, Pacha. Soit tu as mis ta main sur le micro. Il semble que non. J'espère que nous allons corriger le son maintenant. C'est comme ça Concernant les membranes auto -cicatrisantes, il existe de telles technologies. Elles ont été créées pour les engins spatiaux, y compris pour l'ISS, lorsque les micrométéorites les perforent la couche externe de la station afin qu'elle puisse se réparer seule. Tout cela est disponible. Sera-t-il appliqué à l'aérostation Je pense qu'un jour cela arrivera, et oui, des membranes auto -cicatrisantes apparaîtront si cela est vraiment nécessaire. En réalité, le fait que la membrane puisse se perforer d'une manière ou d'une autre, que quelqu'un tire dessus, c'est tellement un cas de force majeure. Il n'est pas nécessaire d'intégrer cela dans chaque appareil systématiquement. Il pourrait y avoir des régions instables ou des tâches spécifiques que les appareils devront accomplir, où cela sera vital et nécessaire. Dans ce cas, oui, mais dans le cas où ton appareil vole sur des itinéraires calmes, et qu'il n'y a rien de particulièrement critique à prévoir, eh bien, il n'y a évidemment pas de sens à cela. Pourquoi le surcharger, le rendre plus cher Mais si, encore une fois, un client apparaît et me dit que peu importe, l'essentiel est qu'il soit auto s'il vous plaît, les technologies existent, la question est celle de la pertinence. Eh bien oui, cela m'étonne aussi un peu. Tout le monde veut apparemment percer quelque chose avec le dirigeable, tirer dessus ou faire autre chose. Pourtant, à mon avis, la réponse est évidente. En effet, pour une raison quelconque, on ne pose pas de telles questions sur l'hélicoptère. Que se passera-t-il avec l'hélicoptère s'il est tiré dessus Il va probablement tomber, ça peut casser. Le dirigeable n'est pas une exception ici, bien sûr. Ensuite, mes amis, j'ai lu toutes les questions du canal dirigeable de nouvelle génération, notre canal officiel. N'oubliez pas de vous y abonner, d'ailleurs. Je vois que nous avons 619 abonnés. Ils vont maintenant vérifier s'ils se sont abonnés. Beaucoup regardent sans s'abonner viennent d'autres réseaux sociaux. Alors abonnez-vous aussi aux autres réseaux sociaux mentionnés dans la description. Il y a une dernière question ici certainement, sûrement. Si une personne a payé 5000 dollars sur un paquet de 10 000 dollars, entrera-t-elle dans le club des 1000 Oui, Vitaly, il va entrer. L'essentiel ici est que vous devez en fait investir environ 5000 dollars ou plus. Dans ce cas, vous rejoindrez le club des 1000 environ. Eh bien, comme je l'ai dit, le nombre de places est limité dans ces clubs. Dans notre premier projet, il y a aussi 1000 personnes et certains pensent que nous trichons il y a 2000 ou 3000 personnes, mais dans ce club, il y a vraiment 1000 personnes et ici aussi, il y aura exactement 1000. Donc, vous devez non seulement investir 5000 dollars, mais le faire plus rapidement que les autres, car naturellement, tous ceux qui veulent entrer dans ce club ne pourront pas apporter ces 5000 dollars à temps, certains seront plus rapides. Passons donc à autre chose. Et comment cela s'est-il passé dans le projet Sauvalmash quand quelqu'un tu te souviens a investi beaucoup d'argent d'afrique plusieurs centaines de milliers vous ne l'avez pas laissé entrer dans le club des mille non plus eh bien je ne me souviens pas que nous ayons laissé entrer quelqu'un dans le club j'admets que cela aurait pu se produire et que quelqu'un ne m'a rien dit demandé mais en fait, oui, en fait, non. Beaucoup de gens ont demandé, je me souviens que lorsque ces clubs se sont terminés, certains étaient si surpris, parce que tout le monde pensait que c'était une sorte de marketing, que nous allions tous rejoindre le club, mais non. Ces conditions, ces privilèges, disons-le ainsi, pour les fraises, sont offerts à un nombre limité de personnes. C'est clair, ce pauvre Africain qui a dépensé plusieurs centaines de milliers de dollars n'a même pas été accepté dans le club. Mais avec de tels clients, bien sûr, si une personne investit plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers de dollars, nous considérons tout de même ces clients comme des clients VIP. Bien sûr, nous leur accorderons toujours une attention particulière pour résoudre certaines questions, si nécessaire. Mais tout le monde ne sera pas des fraises. Un club est un club. C'est ce qui le rend plus intéressant. Alors, je passe sur VContact, voyons ce que nous avons ici. La première question ici concerne le lien de parrainage. Le lien de parrainage reste-t-il le même dans le nouveau projet que dans le projet SableMash Oui, votre lien de parrainage est exactement le même. Pour le moment, elle est complètement unifiée, car vous enregistrez une personne dans votre structure via votre espace personnel et déjà dans le cadre de l'espace personnel de notre plateforme d'investissement. Votre client peut choisir soit le premier projet, soit le deuxième projet, soit les deux projets en même temps, ce qui signifie que vous recevrez une récompense de parrainage. Alors, des questions. En investissant 2000 dollars maintenant, quel pourcentage de revenus vais-je recevoir Alexandre, je ne peux pas vous le dire maintenant. Je n'ai pas ce calcul sous la main, mais vous pouvez le calculer vous-même sans problème. Vous savez quelle somme est collectée, vous savez combien de parts, combien d'actions seront émises et quel sera le bénéfice. Ici, c'est chacun pour soi. En comprenant combien il a reçu, chacun peut facilement le calculer pour lui-même. Il est bien sûr nécessaire d'être des personnes sensées et nous ne pouvons promettre ni garantir aucun profit ici. Nous ne pouvons pas dire qu'à chaque rouble investi, vous gagnerez de manière infaillible 10 roubles et 15 kopecks. Car dans n'importe quel business. Disons-le ainsi, il est impossible de tout calculer jusqu'à la dernière copec. Il y a un plan d'affaires, il y a un modèle commercial, il y a un objectif de revenu, mais tout peut toujours changer. Seule une sorte de pyramide financière peut garantir cela, qui vous paie un pourcentage stable, il parle de 10% par mois, il le paie vraiment, mais pas pour longtemps. Oui, dans les affaires, c'est tout autre chose. Dans les affaires, il ne faut jamais promettre quelque chose au centime près. Mais si tout se passe bien, vous avez la possibilité de gagner de l'argent de manière honnête et de développer une grande technologie et donc, en conséquence, de gagner à long terme. Je pense que ici. J'ai calculé de deux côtés avec la calculatrice j'ai obtenu un chiffre qui peut être incorrect, mais un millième. Vous recevrez 50% du bénéfice total. C'est-à-dire que si nous prenons en compte 50% de l'entreprise appartient aux investisseurs, la question est naturellement de savoir combien de bénéfices seront envoyés là-bas, 50% des bénéfices vont aux dividendes. Nous adoptons cette règle et à l'avenir, cela pourrait augmenter. Donc 50%, 0.01% pour 2000 dollars. Si j'ai bien tout calculé, eh bien, quand on me demande généralement lors des webinaires combien ça coûte, ça et ça, je dis justement oui, pour ne pas faire de calcul. Répète, répète, c'est tout de même simple. Nous prenons 50% et les divisons par 100 millions de dollars, c'est le montant total. Et nous multiplions par 2000 de ce million et nous obtenons un millième. Oui, oui, à peu près comme ça. On dirait... Alors, voici une question concernant l'aéroséchange. Je ne sais pas, Fedor, si tu sais ce que c'est. L'État l'a financée et elle a fermé pour une raison quelconque. Si ma mémoire est bonne, l'aérosmena, c'est à propos des soucoupes volantes, ces mystérieux objets volants non identifiés qui fascinent tant de gens. Aerosmena, d'accord, Google, chez les dirigeables, ces grands ballons dirigeables qui flottent majestueusement dans le ciel. Une histoire sans issue, une histoire sans issue. Il y a plusieurs péchés, l'un d'eux est le gigantisme. Ils conçoivent un petit dirigeable, puis en augmentant légèrement la taille linéaire, le volume et la portance augmentent considérablement, c'est pourquoi ils veulent toujours en faire plus, plus long. Et ils en arrivent à proposer à l'investisseur ou à l'État un projet énorme. Tout en n'ayant même pas un petit appareil, et tout le monde se demande comment ils comptent construire tout de suite quelque chose d'énorme alors qu'ils n'ont absolument rien. Eh bien, les partisans de l'État commencent à prouver leur justesse et leur efficacité, il n'y a pas de vérité, en fait, il n'y a pas de vérité, et tout cela ne démarre pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Le deuxième péché des dirigeables est qu'ils essaient tous de changer de forme. La forme en cigare est peu attrayante, elle est longue et si l'on en fait un disque, son aspect géométrique sera plus compréhensible. La portance reste la même, mais les dimensions géométriques sont plus agréables à l'œil et tout le monde pense que ce seront d'énormes cigares. Regardez cette forme avancée. Mais le problème de cette forme avancée est qu'elle nécessite une grande énergie pour sa stabilisation. Ajoutant quelques petites pauses, pour stabiliser dans l'espace un appareil en forme de cigare, des efforts spécifiques sont nécessaires. Pour stabiliser le disque, ces efforts doivent être significativement multipliés par 10. Par exemple, si on le remplit d'hélium et qu'on éteint tout, Il essaiera de faire comme ça, c'est-à-dire... De remonter à la surface, mais si la pièce se met sur le côté et ainsi de suite, il est évident que si on la surcharge fortement par en bas, elle ne se mettra en aucun cas sur le côté. Dans le projet d'Aérosmène, il place tout à l'intérieur du disque, de manière à ce qu'il commence à avoir ce désir de faire de tels mouvements. Ces mouvements doivent être stabilisés par des vis, c'est-à-dire que pour rester en suspension, il doit dépenser de l'énergie. Cette énergie doit être extraite de quelque part. Il est évident qu'il y a aussi des panneaux solaires, mais comme l'énergie requise est beaucoup plus importante que pour la stabilisation d'un cigare, cela devient une forme déjà moins avantageuse. Eh bien, ils ont récemment réalisé un petit modèle qui s'appelait Anya. Un petit appareil en forme de disque était déjà là-bas, apparemment même avec des hélices, et ils prévoyaient qu'il resterait en l'air et idéalement qu'il pourrait voler. En gros, ils n'ont pas réussi à le stabiliser même en le tenant par des cordes, car il était tellement agité, essayant de monter d'un côté puis de l'autre. Ni les hélices, ni rien d'autre n'y parvenaient. En gros, les aérosmènes sont formidables pour faire avancer le domaine des aéronefs. Si un jour un disque plane réussit, on pourrait leur ériger des monuments, et si cela s'avère économiquement viable, on pourrait même les faire en or, mais pour l'instant. Il n'y a pas de perspective visible dans un avenir proche. Le fait qu'il l'ait tant médiatisé, oui, c'est en fait grâce au fondateur ou à l'idéologue Sergei Benzine. Il parle bien, apparaît dans diverses émissions de télévision, il est invité, il dit parfois des choses stupides avec un visage très sérieux, mais il fait avancer le sujet lui-même. Pour cela, un grand merci à lui. de suite plusieurs questions concernant le club nous avons commencé à en parler et les fraises se sont réveillées elles regardent nos diffusions il y a des questions c'est dans chaque projet quelle question y aura-t-il un club dans chaque projet regardez nous avons un club unique c'est le club solar group il y a simplement environ 1000 investisseurs dans le club qui ont investi dans le projet suvalmash et maintenant il y aura encore 1000 nouvelles personnes qui investiront dans le nouveau projet. Cela fait donc 1000 personnes par projet Je réponds à la question suivante. Le prochain projet sera encore 1000 Eh bien oui, une telle tendance se dessine actuellement. Il est tout à fait possible que nous agissions ainsi. Ainsi, pour rejoindre le club des 1000 investisseurs de Solar Group, il faut faire partie des premiers 1000 investisseurs qui investiront une certaine somme dans le prochain nouveau projet qui sera lancé. Vous avez maintenant la possibilité d'investir dans un projet d'État de nouvelle génération, d'obtenir toutes les conditions et privilèges des membres qui sont assez nombreux et attrayants. Étudiez-les car il y a notamment des conditions d'investissement privilégiées et pour le Club 100 bien sûr il y en a encore plus, notamment un gestionnaire personnel qui sera à votre disposition. Faites-y attention. Eh bien, voici la question. Evgueni demande, et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on la pose, et lors d'un de mes derniers webinaires, j'ai moi-même mal répondu Quelle est la question Si vous êtes déjà dans le Club 1000 et que vous investissez aujourd'hui dans un nouveau projet, les conditions avantageuses d'investissement sont-elles maintenues pour vous J'ai dit non. En réalité, oui. En effet, nous avons convenu de ces conditions j'ai même oublié moi-même. Donc, si vous êtes déjà dans le club 1000, par exemple, dans le club 100, vous avez des conditions d'investissement privilégiées. En particulier, il y a trois étapes de moins. Par exemple, vous pouvez investir. Cela fonctionne à la fois pour le projet Sauvolmash et pour le projet de dirigeable de nouvelle génération. Voici la dernière question sur Vcontact. Quel est le poids maximum qu'un dirigeable de charge peut soulever Solkovski concevait en fait des dirigeables de plusieurs kilomètres de long et il ne parlait pas de tonnes mais de milliers de personnes, c'est-à-dire qu'il mesurait le nombre de passagers en milliers. Je ne me souviens pas, c'était très nombreux, en gros jusqu'à 500 tonnes. Maintenant, on peut facilement en construire. On peut en faire 1000, voire 2000. La question se posera alors, pourquoi les faire si, par exemple, on met en série des engins de 500 tonnes, tu les as accrochés là, comme un train 2 de ces engins de 500 tonnes, ou 3, et voilà qu'ils transportent déjà une tonne et demie. Et théoriquement, eh bien, 2000 tonnes, s'il vous plaît, on peut construire un appareil, peut-être même plus. Pourquoi c'est incompréhensible Je pense qu'à 500 tonnes, tout devrait se stabiliser, plus ou moins. Ensuite... Il y aura des plateformes universelles lorsque plusieurs de ces appareils de 500 tonnes, par exemple trois appareils de 500 tonnes, transporteront une certaine cargaison. Bien que la tâche soit aussi intéressante, tirer 1500 tonnes avec trois appareils, peut-être sur un certain type de liaison rigide, en gros, je pense que 500 tonnes, pour l'instant, on peut en parler sans hésitation, mais au-delà. Il vaut mieux ne pas le faire. La question est de savoir comment vous dites que je regarde sur YouTube. Et à quelle taille allons-nous nous arrêter Nulle part. Nous ferons absolument tout jusqu'à vraiment remplir complètement le marché. Mais à quelle taille sommes-nous Vraiment, absolument. Je pense qu'on va sûrement s'approcher des 500 tonnes. Quant à savoir si nous irons plus loin, pour l'instant, en gros, je réfléchis à jusqu'où nous allons aller. Parce que 100-200 tonnes, c'est acceptable. C'est en gros faire la même chose que nos ancêtres faisaient. Eh bien, nous devons simplement continuer à avancer car nous avons déjà d'autres technologies, d'autres temps. Fais mieux, cours plus loin. Et là où nous arriverons, nous verrons. Donc, je regarde les questions sur la chaîne YouTube de Solar Group actuellement. En ce moment, y a-t-il une réglementation actuelle concernant les transporteurs thermiques nucléaires, les dirigeables thermiques ou bien l'énergie atomique actuellement dans l'espace aérien Il est très chanceux que Rosatom soit une entreprise russe. C'est une entreprise de pointe et innovante dans l'application des technologies nucléaires à des fins non militaires. C'est vraiment très génial. Qu'elle se développe dans tous les domaines, une entreprise technologique, une véritable corporation prospère, avec beaucoup d'esprit, beaucoup de mains, beaucoup de talent, et je suis absolument sûr que dès que le projet commun sera effectivement lancé, ils obtiendront très rapidement toutes les autorisations nécessaires et requises pour construire un grand dirigeable nucléaire. À propos du dirigeable nucléaire, c'est intéressant, je n'avais vu cela auparavant. La question suivante vient également de cette même personne. Il pose des questions aussi intéressantes. Quelles sont les perspectives d'utilisation de moteurs sans pièces mobiles, comme les moteurs ioniques, dans la conception d'un dirigeable en utilisant une grande surface de membrane comme avantage Dans un avenir proche, lors des premiers lancements stratosphériques, nous allons lancer des équipements scientifiques, nous allons lancer nos prototypes de moteurs ioniques, nous allons les tester, observer à différentes altitudes, différentes configurations, la consommation d'énergie et d'autres aspects. À la fin de tout ce mouvement absolument fantastique, nous avons pensé que le corps même du dirigeable stratosphérique pourrait être en fait un moteur. Eh bien, tu as déjà compris qu'il peut être entouré et créer une poussée sur toute sa surface. En gros, le dirigeable est aussi un moteur. Il suffit de mener une série d'expériences. Et toutes ces expériences, nous allons les réaliser à partir de cette année. La stratosphère va s'élever, nous allons tout raconter, peut-être pas tout montrer, peut-être pas tout dire. Bien que, encore une fois, il est important d'aider nos collègues, mais qu'ils trouvent aussi quelque chose par eux-mêmes. Je pense que nous devrons toujours être entre deux feux. D'une part, le projet est public. Nous devons montrer tout ce que nous avons, raconter pour que, comme on dit, ce soit un spectacle, pour que ce soit intéressant. C'est aussi une partie de ce financement collectif. Cependant, il y a plein de secrets qu'il est interdit de révéler. Parfois, on en a envie, mais soit c'est trop tôt, soit ce n'est tout simplement pas rentable d'en parler d'un point de vue commercial. La question est pourquoi nous planifions seulement sur 5 à 10 ans et non sur 15. Le projet est très vaste. La personne pense qu'il faut planifier plus longtemps comme si... Nous avons besoin d'au moins un an. un développement actif afin que nous puissions planifier qualitativement et efficacement pour les mêmes 10-15 ans à long terme et de manière durable. En gros, la planification sera comme je l'ai dit, eh bien, probablement pour 100 ans quand nous ferons avancer notre secteur de manière qualitative, quand nous aurons créé, il n'y aura plus de retour en arrière et personne ne prévoit cela. Donc nous ne sommes pas seulement en avance de 15 comme je l'ai dit siècles. Nous allons établir des plans, mais cela nécessite du temps, pas tout, en même temps. Il est impossible de prédire ce qui se passera dans une demi-heure. Alors comment dire dans quelle direction l'industrie va évoluer Il y a des années, ce qui se passait avec les smartphones, eh bien maintenant, non, enfin 15 ans encore, eh bien en gros, tout le monde comprend, les technologies avancent. Et il peut y avoir une découverte critique ou quelque chose d'autre qui pourrait vraiment, eh bien, forcer l'industrie à évoluer, par exemple, à se développer plus activement. Donc tout se fait progressivement. Eh bien, tu parles de 15 ans, mais en réalité, le premier smartphone qui a provoqué une telle révolution et rendu le téléphone massif, c'était il y a environ 15 ans, oui. Un peu plus longtemps. Donc oui, tout change si rapidement, c'est-à-dire que nous vivons dans un monde complètement différent en 15 ans. D'ailleurs, je regardais il y a quelques jours une interview de ce même brin dont nous avons déjà parlé aujourd'hui. Il a visité Moscou. C'était l'année 2008, il y a 16 ans, et en 2008, il dit qu'il espère que l'Internet mobile sera bientôt aussi rapide et efficace, afin que nous puissions utiliser pleinement Internet. Et cela a été dit par le cofondateur d'une des plus grandes entreprises technologiques. Et même lui, disons, utilise les mots ⁇ je suis sûr ⁇ et ⁇ j'espère ⁇ Il ne savait pas que dans 5 à 10 ans, cela deviendrait si naturel. Donc oui, le monde change très rapidement. Alors, dernière question, cette personne demande quand l'argent, oui, que Duinoff a collecté, sera-t-il remboursé eh bien, ici, en fait, nous répondons également à toutes les questions provocatrices. Et vous pouvez vous-même voir comment le projet se développe aujourd'hui. Nous pensons que c'est un cas très réussi, qui est très significatif et crucial, où nous avons montré que nous pouvons rassembler rapidement un large public autour de certaines technologies, autour de certains développements. Et par conséquent, cela s'inscrit toujours dans un certain soutien financier pour le projet que nous réalisons, et en fait, près de 100 millions de dollars ont été levés par nos soins, absolument à partir de zéro. En relativement peu de temps, et bien sûr, tout est relatif, mais si vous regardez dans le monde, avec les volumes d'investissements avec lesquels nous travaillons avec des investisseurs privés, vous ne trouverez pratiquement pas d'analogue dans le monde. Cela en dit aussi long, et littéralement dans un mois ou deux. Certainement et effectivement, la remise du PKTB est déjà planifiée et organisée ainsi que sa mise en service. Eh bien, l'année 2025 devrait déjà devenir la première année commerciale de la société Sobolmash. C'est donc un exemple positif, extrêmement réussi pour nous. Et si nous avons pu le faire à partir de zéro à l'époque, nous n'avons aucun doute que nous le ferons à nouveau, ayant déjà une grande expérience. Des réalisations et une représentation dans presque 30 pays du monde, où les gens, d'ailleurs, tout comme vous et moi, se réunissent lors de webinaires et répondent aux questions les uns des autres en toute confiance et sans hésitation, avec assurance. Et nous voyons déjà, même au tout début du financement, que le public a très bien accueilli ce projet initialement. C'est donc aussi très révélateur, signifie que les gens ne sont pas déçus par ce que nous avons fait auparavant. Sur ce marché, sur le marché des investissements, la réputation, c'est absolument tout. Et nous l'avons déjà. Voici encore Philippe qui écrit, celui qui posait ces questions intéressantes. Pour les smartphones, la caractéristique principale de leur développement n'a pas été la puissance de calcul, mais plutôt les batteries. Et qu'est-ce qui pourrait être exactement un déclencheur potentiellement similaire pour les dirigeables, comme ceux que nous avons vus Matériaux composites, technologies écoénergétiques, les mêmes batteries, moteurs légers plus compacts. Mais encore une fois, tout se résume aux matériaux et aux technologies. La technologie informatique dans son ensemble, c'est incroyable. La mécanisation, quand à bord du Hindenburg on tournait le volant, tout cela était transmis mécaniquement au gouvernail arrière. Maintenant, tout se fait en appuyant sur un bouton, un petit fil transmet le signal et à la fin, l'actionneur fait quelque chose. En gros, un véritable ensemble de technologies s'est accumulé. Ce que nous pouvons faire de manière plus qualitative et plus impressionnante, faire des dirigeables de la même taille et comment faire si c'est comme le Hindenburg alors il sera presque deux fois plus efficace, plus rapide, capable de soulever plus et de voler plus loin et plus sûr. Le Hindenburg a complètement brûlé, tout le monde a vu cette vidéo, c'est évident qu'il a effectué de nombreux vols pendant plusieurs années, a été exploité de manière qualitative sans accident, etc. Mais il suffisait de l'enflammer pour qu'il s'effondre comme un château de cartes, comme de la paille qui s'enflamme. Aujourd'hui, il existe des matériaux qui, peu importe comment tu les enflammes, ne brûlent tout simplement pas. Et lui, il a vraiment brûlé. Il aurait fallu que l'hydrogène explose et que les membranes là-bas, eh bien qu'elles se déchirent, mais elles n'ont pas brûlé, alors qu'il était vraiment inflammable. Maintenant, cela sera fait à partir de matériaux non combustibles et, combien tu essaies de l'enflammer, il ne brûlera pas de cette façon et il y a beaucoup de différences. L'essentiel, ce sont les matériaux de gestion le développement des ordinateurs, de l'électronique, des systèmes d'entraînement éco-énergétique, des moteurs, des panneaux solaires. En fin de compte, on dirait qu'un matériau spécifique est plus visible probablement en raison de quelque chose. Moi, par exemple, je pense toujours à ce que les drones pourraient représenter. Je pense que c'est aussi un avenir, donc, quand tout le monde demande, à propos des pilotes, ils seront bien sûr nécessaires, et peut-être qu'ils seront nécessaires pour certaines tâches spécifiques, mais pour les tâches de base, je pense que les machines seront autonomes dans un avenir très proche. C'est clair, mais la différence entre un pilote, un dirigeable et un sans pilote est insignifiante. Si le dirigeable est grand, qu'est-ce que ça fait Deux sièges de pilote ont disparu. Il y a donc deux sièges de plus pour les passagers. Ce n'est pas vraiment une grande différence. Les appareils sans pilote en général ont fait un bond en avant dans les systèmes de contrôle. Ils ont été créés il y a 100 ans, il n'y avait pas de tels systèmes de contrôle pour les machines de calcul et autres. Maintenant, cela sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qualitatif en ce qui concerne l'aérostation. Alors, eh bien, mes amis, il semble que nous avons répondu à toutes les questions. Nous avons convenu aujourd'hui avec Fedor de tenir un webinaire en une heure et demie. Mais nous avons encore atteint trois heures. Nous avons battu le record de durée. Oui, tout est à l'envers chez nous, mais d'un autre côté, je suis très heureux et reconnaissant à tous les spectateurs pour leurs nombreuses questions et leur grande activité. C'est un signe que nous ne menons pas ces webinaires pour rien, que nos échanges ne sont pas vains. Cela vous intéresse vraiment. Bon. Je pense qu'on peut donc conclure pour aujourd'hui. Merci beaucoup, amis. Si vous avez des questions, venez aux prochaines diffusions, écrivez vos questions au support technique et n'oubliez pas de nous soutenir sur tous les réseaux sociaux avec des likes, des partages. Abonnez-vous là où vous regardez sur Vcontact, sur YouTube ou lorsque vous passez à d'autres réseaux sociaux qui vous intéressent. Rappelez-vous que le développement de notre projet dépend de votre activité. Mais n'oubliez pas d'envoyer le lien de ce webinaire à vos amis afin qu'ils puissent écouter cette présentation, même s'ils ne nous connaissent pas encore, et décider s'ils sont prêts à participer au projet ou s'ils préfèrent attendre encore quelques étapes lorsque quelque chose sera déjà prêt. C'est aussi possible de voir quand le premier dirigeable décollera. C'est dommage qu'il n'y aura pas de telles conditions d'investissement. Un grand merci à tous, au revoir et à quand la prochaine fois Vendredi, oui, lors de la prochaine diffusion. Oui, d'ailleurs, vendredi dernier, nous avons lancé un concours sur... Les gens ont commencé à proposer des idées concernant l'utilisation des dirigeables, idées les plus non triviales. Là-bas, il faut même déblayer une grande tache de déchets dans l'océan. Vous voyez, ça m'est resté en tête. Aujourd'hui, nous avons terminé de noter toutes les idées soumises par les participants. Chaque idée a été soigneusement examinée et notée par notre équipe d'experts. Nous sommes ravis de vous annoncer que nous annoncerons très bientôt le gagnant de la meilleure idée. Le gagnant sera officiellement annoncé dans notre groupe sur Telegram. Si vous n'êtes pas encore membre de ce groupe, Nous vous encourageons vivement à le rejoindre. Vous pouvez le trouver en recherchant le nom Prédémarrage sur Telegram. C'est un espace où nous partageons des informations importantes, des mises à jour et des annonces exclusives. Nous vous conseillons de vous abonner pour ne rien manquer. Voilà, nous vous donnons rendez-vous ce vendredi pour notre webinaire d'actualité. Lors de ce webinaire, des spécialistes techniques vous présenteront les dernières nouveautés partageront des nouvelles importantes. Nous espérons pouvoir vous accueillir depuis notre bureau et peut-être même diffuser le webinaire en direct depuis notre bureau. Nous vous remercions pour votre participation et votre engagement. A tous, à vendredi pour le webinaire et à bientôt dans les chats. Nous vous souhaitons une excellente journée et au revoir. Tenons également à remercier tous ceux qui ont pris le temps de soumettre leurs idées. Votre contribution est inestimable et nous apprécions votre engagement. Nous espérons que vous.